Hop, voilà. Bon, bonjour tout le monde. Bon, j'espère que tout le monde va bien, du coup. Aujourd'hui, bon, je l'ai mis en description, mais je vais quand même réexpliquer ce qu'on va faire ce matin et cet après-midi, y compris un projet que j'ai pour ce stream qui sera intéressant pour les joueurs qui veulent débuter ou qui n'ont aucune nation dans le jeu. Donc, ce matin, on va commencer par ce matin. Ce matin, on va reprendre une map que j'ai créée. Bon, faut se le cacher, c'est une map qui a été créée à l'arrache et purement pour essayer le map editor. Hein. Donc, de toute façon, ça se voit là, voilà, les arbres sont pas droits, rien n'est aligné, c'est posé complètement à l'arrache. Enfin, bref, on va le reprendre. Une fois que ça sera fait, donc on vendra les spawns, etc. Donc, la matinée sera passée. Cet après-midi, il se peut, et il est très probable qu'on fasse des games basiques d'équipe, etc., avec 2-3 amis, bah comme d'habitude, de toute façon, comme on fait à peu près tous les jours. Et pour le projet que je vous parlais, c'était qu'en gros, dans le jeu, il est possible d'avoir des coupons pour avoir des nations. Et en fait, ces coupons-là, je compte parce que j'ai toutes les nations, donc je compte les garder, en accumuler quelques-uns, et une fois que j'en ai accumulé suffisamment, les faire gagner sur le stream. Alors, la façon dont ça sera gagné est encore un peu hasardeuse, etc. Je ne sais pas encore exactement comment je vais le mettre en place. Pour l'instant, je n'ai qu'un code. Je suis en train de les regrouper. Je ne sais pas encore non plus si je vais les faire gagner aléatoirement, c'est-à-dire des nations aléatoires, ou si je vais donner une nation particulière ou les nations demandées. On verra bien, on sait pas. Parce que je sais que bon, voilà, si quelqu'un veut la Chine et qu'il se retrouve avec, je sais pas moi, l'Allemagne, bon, ça va pas être le plus fun du fun. Mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je veux dire? Mais du coup, voilà, le projet, ça serait de faire gagner des nations, voire des décorations. Je sais pas si les décorations, on peut en faire gagner. Mais faire gagner des nations ou des décorations pendant le live Twitch. Puisque les drops ne sont pas activés sur ce jeu. Il n'y a pas de drop à proprement parler sur ce jeu normalement. J'ai fait quelques petites recherches, il n'y en a pas. J'ai décidé en fait, en gros, hein, en survolant le truc, de créer mes propres drops. D'où le fait que j'accumule des codes de nation. Voilà. Ça donnera peut-être envie à des joueurs un peu plus nouveaux, puis ça les arrangera aussi, de tester les nations, d'en débloquer plus rapidement d'ailleurs, du coup. Parce que c'est quand même assez long, on va pas se le cacher. Hein. Il y a le x2 maintenant, qu'à l'époque il n'y avait pas. Mais accumuler 10 000 points, c'est quand même assez long. Voilà, bon, si on joue régulièrement, ça va, mais si on joue pas régulièrement, ça peut commencer à être assez long, donc je peux comprendre que les gens aient un peu la flemme de chercher de chercher et avoir les points. Mais enfin bref. Du coup voilà. Pour résumer les nations qui peuvent être drop du coup, il y aura la Chine, l'Inde, la Turquie, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, qu'est-ce que j'ai oublié encore? La Pologne, je crois que c'est tout, j'ai fait le tour. La France, je sais pas si je l'ai dit. J'ai dû le dire, bon, enfin bref. Mais ce que je ferai, c'est qu'en description, enfin, à la fin du live, je pense que en description, je mettrai les nations. Et en bio, pour l'instant, je mettrai les nations gagnables. Actuellement que je débloque. Je les mettrai au fil du temps et on verra bien comment ça se passera. Voilà. Comme ça, vous savez ce qu'il y a en drop, ce qu'il y a en... qui peut vous intéresser, etc., etc. Enfin bref. Du coup, on va s'y mettre parce qu'il y a quand même beaucoup de boulot. Parce que comme vous le voyez là, il y a du monde à rattraper là. Là, ça c'est catastrophique ça. C'est pas possible. Tout ça là, c'est pas possible. Il y a eu un event dessus, j'ai eu des bons retours, mais c'est pas possible. Voilà. Alors c'était une map à l'arrache, certes, mais bon. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous avez des idées, s'il y a quelque chose que j'ai fait de travers, si jamais il y a un problème, si X raison que ce que vous souhaitez dire, vous pouvez le dire. Et je suis à l'écoute, il n'y a pas de souci. Allez, par contre, on va s'y mettre maintenant parce que sinon, demain, moi, j'y suis encore. Vu ce qu'il faut rattraper. Tac. Commencer par gommer tout ça. Hop. Hop.
On va gommer tout ça, on va remettre la texture. Tac, tac, tac. Ah, c'est vrai qu'il y avait cette technique-là pour déboiser rapidement. J'oublie ce détail. Hop, 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 hop. Petite astuce pour aller plus vite pour déboiser. C'est assez étrange d'ailleurs, mais bon. Du moment que ça marche après. Tac, 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 tac. Donc on a dit ça, ça, ça. On remet tout ici. Tac, tac. Hop. Voilà, moi je crois que j'ai à peu près remis toute la couleur de partout. Là on est pas mal. Donc il faudrait ah mais là aussi c'est pas ouf hein. Faut vraiment que je refasse tous les spawns en fait. Ce que j'ai fait c'est vraiment pas terrible hein. C'était vraiment pas terrible tout ça. On va se mettre là. Alors. On va faire ça. Alors, alors qu'est-ce qu'on a comme arbre là-dedans? Putain. D'accord. Je sais pas si c'est nature.tree. Alors oui, on va voir. C'est vegetation, ok. Alors. Tac tac tac. Big. Fais voir un peu ce que ça donne cela. Ah c'est les. D'accord. C'est les enneigés seulement. Palmier. Ouais, je peux faire un thème sur Easy à la limite, ce sera peut-être plus intéressant. Voilà. Alors, thème sur Easy, ça sera peut-être plus intéressant. Donc. Faire des trucs bizarres comme ça, on va rester sur une idée de. Voilà, et après, on va faire Power 18. Faire comme si. C'est 100. Hop. Tac. Hop. Se mettre comme ça, comme ça, comme ça. Ça sera mieux. D'ailleurs, hop, hop. Voilà. Alors. Ça, c'est bien. Parce que l'idée, c'est quand même que le mec qui est au milieu, donc c'est un Protect the King cette map forcément, mais le mec qui soit au milieu puisse se faire défendre par tous les gars qui sont là, donc sur les côtés, etc. Mais que les attaquants puissent quand même avoir assez de ressources pour venir là. Putain, c'est pas esthétique du tout. Mon dieu, j'aurais pas la palme d'or, moi, niveau esthétique. Par contre,
pas ça que je voulais faire, merde. Allez. On va faire un truc comme ça. Ça ira. Voilà. Ça fait bizarre de pas avoir les coins ici. Ensuite, toi. Est-ce que j'entourerai pas de montagne tout ça? Ça, j'aime pas du tout l'idée. Hein. Franchement, ça fait bétonneux, ça fait. J'aime pas du tout. Voilà, on le remettra. Attends. Ça. Hop. Pas compris pourquoi j'ai fait une ligne d'arbre comme ça. Étrange. Je fais vraiment des trucs bizarres des fois moi quand je fais des tests. Hein. Tac, peinture, ça. Voilà. Hormis ça. Merde, c'est pas ça que je voulais faire, qui est con. Alors, à partir de là. Je pourrais même limite enlever ça, quoi. Franchement. Faire des vrais reliefs, etc. Faire des vrais coins d'arbres et tout. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ça me fait chier parce que c'est vrai que je viens de le faire, mais bon. C'est vraiment pas. Hop, hop. Alors, désolé si la caméra est pas terrible du coup quand je fais ça, mais. Sinon, on en aurait pour 3 plombes à effacer le nombre d'arbres qu'il y a. Et ça serait pas la folie du tout, quoi. Voilà. Tac, 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 tac. Là, on est bien. J'ai tout enlevé. Peinture. Hop. Hop. Voilà. Alors, du coup, on a dit relief. Il est mollo quand même sur les reliefs. Voilà. Qu'on a dit. Est-ce qu'il n'y a pas moyen par contre? Hop. Des reliefs où ils peuvent pas trop construire et tout. Hop. Voilà. Bon alors, mais bon. Parce que les reliefs, faut faire gaffe quand même parce que les reliefs, s'ils sont trop élevés, après on pourra pas construire, etc. Et ça va être très 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 chiant. Mais ce qu'on peut faire pour rendre ça plus joli, c'est faire un truc comme ça. Ouais, c'est pas mal. Et faire. Hop. Un truc comme ça. Ah, ça m'embête parce que ça aurait été bien plus intéressant d'avoir. De pouvoir augmenter l'eau là. Enfin, le niveau de l'eau. Mais bon, vu qu'on peut pas, on va le faire à la main. Hop. Et on a dit. Histoire que ça soit pas trop industriel. Voilà. Là, il faudrait que je mette de la terre, je pense. Mais la couleur, on le fera plus tard. Pour l'instant, on va faire les reliefs et on va faire les ressources, les arbres, etc. Hop, juste que ce soit un peu équilibré, je sais pas si c'est équilibré vraiment. Enfin, un beau donut quand même, ça sera mieux.
Voyons voir. Là, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc après. En mettre trop non plus parce que sinon on va faire ramer les joueurs et ça va pas être terrible. Bon, ce qu'on peut faire à la limite c'est ça leur donne vraiment envie d'aller là. Mettre du métal et de la pierre là. Et là. Hop, hop. Voilà. Mais le métal et pierre ici, et comme ça les forcera un peu à aller gratter de la forêt jusque-là. Parce que sinon, toutes leurs ressources, ils vont les décaler à ce niveau-là, ils vont gratter les ressources des joueurs, enfin, des défenseurs. Ils vont se retrouver comme des cons, littéralement. Et là, on est pas mal du coup. Parce qu'ils ont bouffe. Spawn, ils ont de la bouffe. Ils ont du bois. Ça a pas l'air trop mal du coup. Juste ça. Building, 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 mythe. Voilà. Sinon, on réduit ça. Merde. Putain, ça c'est chiant par contre. Voilà, ça ira très bien comme ça. Là, c'est pas mal. Et les arbres, on va les faire venir jusque là. C'est nature.gestion.tri. On a dit, c'est les Rowan en big. Voilà. Et on va prendre là et on va tirer comme ça. Oh, c'est très carré, mais on fera là les détails. Hein. On fera les détails, ça, il n'y a pas de souci. On les fera. Surtout que. Alors, on va faire en sorte qu'il y ait un peu de relief ici. Hop. Hop. Tac. Un peu la gueule des reliefs. Vraiment embêtant qu'on puisse pas gérer la caméra comme on veut. Ils sont un peu hauts ceux-là. Voilà, alors, peu de relief ici, ça fera pas de mal. Et limite, on pourrait faire un truc assez intéressant. Putain, par contre, la caméra qui se remet pas bien, voilà. Limite, ce qu'on peut faire, c'est un accès. Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant? On pourrait faire de plus intéressant que ça quand même. Voyons voir. On pourrait faire de plus. Que là, il y a un peu d'eau, de la bouffe. On pourrait carrément faire des petits bancs de poissons à ce niveau-là, là, en fait. Faire un coin un peu. Parce que la map est tellement grande que je suis même pas sûr que je. Je pense que la map est trop grande par rapport à ce que je pourrais faire.
Faudrait qu'on soit plusieurs à faire la map, ça serait peut-être plus intéressant. Mais bon. Oh là-bas, c'est un bordel. Faire la map à ce niveau-là, faire peut-être un peu de relief, ça peut être intéressant. Hop. Comme ça. Bon, j'ai l'impression que mon son est super fort. Voilà. Voyons voir comment je peux faire ça. J'ai dit, je voulais un coin d'eau déjà. On va faire le coin d'eau. Voilà. Histoire que je puisse prendre la marque. Je sais. Je sais ce que je vais faire. On va faire un truc comme ça. Hop. Voilà. Bon, après, je le ferai mieux, mais. Voilà. Et du coup, ça rend le truc peut-être un peu mieux du coup. Oui, du coup, ça rend le truc beaucoup mieux, effectivement. Et là, on met de quoi faire le port. Et ce qu'on fera, c'est que là, on donnera accès au truc. Ouais, comme ça, c'est bien. J'aime bien. J'aime bien l'idée. J'aime beaucoup l'idée. Hop. Voilà. Normalement, là, il y a la place pour faire ça. Là. Voilà. On met un tout petit peu de métal. On met de quoi mettre le port. Un poil plus grand, ce serait peut-être mieux. Ouais, non, ça c'est nimp. Faut aller. Entre guillemets, on va faire comme ça. En brouillon, ça donnera ça en gros. Hop. Voilà, en moins.
moins dure la map. Voilà, là les moins durs, ça sera mieux. Voilà. Ça et ça, et comme ça, ça évite que on passe par là pour le faire, parce que sinon, c'est facile, quoi. Tu passes par là. Par contre, là-haut, je mettrais bien les rendre ça un poil plus épais, du coup. Au niveau des côtés, du moins. Oh, même là. Hein. Ouais. Et puis, je mettrais bien un petit peu de neige et des arbres enneigés. Je sais pas si ça peut pas être un peu intéressant quand même. Ça peut être vachement bien. Oh, ça, c'est purement décoratif, mais. Hop. Voilà, on les bords moins durs, toujours. Voilà. Voilà. Donc, bon, c'est un cube, mais bon. Après, je peux faire ça. Hein. Enfin. On peut faire ça. Enfin, une chaîne de montagne comme ça, hein, puis voilà. Ça marche aussi. Et avec les textures, le jeu de textures, ça rendra le truc beaucoup mieux, mais. Voilà, excusez-moi, le chat qui fait des conneries encore. Vous avez commencé à avoir l'habitude maintenant sur le stream, hein. Le chat qui fait toujours de la merde. C'est pas marrant sinon. Voilà. Donc là, ça serait plus une chaîne de montagne et à la limite, ouais, je sais pas. Ça là aussi. Pourquoi pas. Hop. Oh, ça c'est rompe. Voilà. Putain que c'est long de faire des montagnes. Incroyable. Un peu plus ronde ici, ce sera bien. Mais du coup, voilà. Donc, l'idée, ils viennent là. Là, il va falloir que je fasse le truc pour les porcs. Mais du coup, voilà. Ils ont l'eau, ils ont un peu de poisson ici. Ils passent ici. Tac. Là, ils ont quoi ? Du métal. Là, ils ont de la pierre. Ou du métal aussi, tu me diras. Parce que vu le bois qu'il y a, il n'y aura pas besoin de forcément de cailloux. Mais du coup, ouais. On va faire ça. Ça va être pas mal. Allez, on est pas mal. Tout ça, voilà. Là. Toute l'eau qu'il y a ici, elle va être comme ça. Aplani comme il faut, bien sûr.
je pense que là, normalement, les bateaux, les ports doivent passer, je pense, là. Comme ça, ils s'étendent vers là, un petit peu, ils ont quoi build un petit peu là, et après, ils sont obligés de s'étendre ici. De toute façon, vu la place qu'ils ont, ils seront tranquilles. Donc, voilà. Donc, pour le premier spawn, je pense qu'on est pas mal. Il y a à texturer, mais bon, ça, c'est pas très grave. À texturer, à rajouter les ressources. Alors, on a dit les ressources. Donc ça doit être... Faut que je regarde le code que c'est, ça, je me souviens plus. C'est rock. C'est point rock, point deposit. Non, c'est pas les déposites, parce que les déposites, il me semble que c'est les traces au sol. Et moi, ce que je veux, c'est ça. Ah non, c'est bon. Non, c'est ça, en fait. Je dis des bêtises. Ça, c'est ça. Donc, métal. 1, 2, 3, 4. Je voudrais juste que... Voilà. Que là, il puisse mettre un port. Parce que le problème, c'est que... Sinon... Voilà, et mettre un entrepôt ici, et à la limite mettre un entrepôt là. Voilà, comme ça on a le truc là. Et là on en mettra que deux. Hop et hop. Ah putain, par contre là c'est pas ouf. Il y a un problème dans mon truc. Voilà. Le chat, tu arrêtes tes bêtises, ma grosse. Allez. Voilà. Voilà. Ça, il y a le port là, l'entrepôt ici, qui permet de récupérer du bois et du métal en même temps. Enfin, pour ceux qui vont y penser, bien sûr. Parce qu'il y en a forcément qui y penseront pas, mais c'est pas grave. Le métal, ils auront pas besoin de métal pour prendre les bateaux. Mais je pense que je vais quand même leur déposer 2-3 métal ici. Parce que sinon, ils vont me dire qu'il n'y en a pas assez. Même s'il y en a déjà 6 là. Mais bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un... Pas mettre un métal ici. On va mettre... C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est quoi ça? Putain, c'est un chariot de Noël. Je savais même pas qu'il y avait des chariots de Noël sur ce truc. Copper. Voilà, c'est ça. Mettre un de copper ici, putain. Incroyable ça. Un de métal ici. C'est tout. Voilà. Ou là, peu importe. Peut-être plutôt y. Non, parce qu'il faut qu'il s'étende. Bon, on va mettre le métal. Comme ça, ils iront chercher. Mais du coup, voilà. Donc, un spawn, ça donnerait ça. Dans un spawn, je pense que je vais mettre 3 joueurs. Donc, dans ce cas-là. Voilà. Comme ça, il y aura un joueur là, un joueur là, un joueur là. Voilà, et comme ça ils se partageront. Putain, mais du coup il faut de la place pour mettre plusieurs entrepôts là. Voilà, ils ont la place pour mettre les entrepôts. S'il y a 3 joueurs, là ça fait 1, 2 et 3. Même si normalement ils auront assez avec ça, mais bon, on sait jamais. Là ils ont les ports, donc il y aura du poisson, des spawns. Ouais, là c'était un terrain que j'avais un peu modifié, mais du coup, c'est plus la peine. Du coup, il y en aurait un là. Et un là.
Ouh là là, mais c'est que le sol il est pas très droit, dis donc. Bon, ça ira, je pense. Alors. Excusez-moi, si vous entendez le chat, c'est qu'il y a un chat qui meule derrière. C'est pas ma faute, je n'y peux rien, malheureusement. D'ailleurs, hop, je vais aller en vocal parce que j'ai un collègue qui devait s'occuper de la map. Donc on va voir. Alors attendez. Coucou. Ouais. Oui. Ah oui, du coup, voilà, regarde. Regarde mon stream. Je suis déjà. Alors, sache que je suis déjà en train de faire un peu des modifs, mais du coup, vas-y, fais voir. Alors, en gros, je comptais faire. Ah bah alors là, c'est un schéma, hein, c'est fait à l'arrache. En gros, je fais. La dernière fois, ils trouvaient que l'espace où on pouvait construire n'était pas assez grand. Quoi? Donc, Avec la là, dose d'espace qu'il y a? Non, mais pour les défenseurs, pas pour les attaquants. Ah, d'accord. Parce que les attaquants, la dose qu'ils avaient. Non, Oh. avec les attaquants, c'est un peu abusé. Donc en fait, je comptais, du coup, tu vois, supprimer ce. Enfin, je comptais, je me disais plutôt. Ce serait une. Attends, je vais mettre les modèles. Hop. Tu vois, Ouais, tu veux ce supprimer la grand montagne. rempart là, voilà, pour qu'il y ait plus d'espace, mettre, je sais pas, rajouter de la forêt autour, mais juste rajouter un troisième rempart ici, comme ça ils ont la place pour construire tout Bah, ici. moi, à la limite, j'aurais pas Mettre supprimé l'ancien rempart, j'aurais laissé l'ancien rempart et par contre et donc rajouter mettre. la couche en plus, comme tu es en train de Ok. faire. Par contre, moi, je suis en train de modifier un peu les spawns des attaquants qui sont corrects mais qui sont ultra moches. Ok. Après, c'est sûr que la map faudra toujours l'adapter à chaque fois, mais putain, moi je suis sur Twitch, par contre, je peux pas te faire un stream sur le vocal. Ok, pas Mais grave. si tu veux regarder, regarde sur Twitch, je suis en train de faire des modifs. Les spawns sont plus intéressants, seront plus jolis. Les ressources sont à peu près pareilles, sauf qu'au lieu d'avoir un mec qui spawn par attaquant, tu sais, par côté, un attaquant qui spawn par Ouais. côté, on peut aller jusqu'à 3 attaquants qui, qui spawneront du même côté. Mais c'est modifiable. Ok, Parce que mais ça veut dire que forcément. du coup, il y aurait Il y un. aura un truc en plus comme ça, ouais. Je suis en train de Ouais, donc modifier on la map. pourrait soit être plus, soit juste défendre qu'une porte, en gros. Enfin, défendre qu'une porte. Bah, c'est soit jouer à Pas plus, avoir à soit défendre, défendre mais qu'un voilà. endroit. Après, enfin, non. Que les défenseurs. Enfin, les attaquants spawnent qu'à un seul endroit. Après, ils peuvent attaquer n'importe où. Ouais, ils peuvent aller sur le côté, Ils peuvent mais. aller n'importe où, voilà. Par contre, t'as rajouté de la forêt en haut là? Je vois Où sur la map ça? là. En haut là, côté spawn attaquant en haut. Ici? Ouais. Alors, ça c'est pas moi qui l'ai rajouté. J'ai fait sur la map, une map déjà améliorée. C'est vrai que en fait ici il y avait une grande forêt, je l'ai enlevée. Après Mais niveau moi texture, il est aussi. très Mais tu sais mauvais. quoi? Va sur Twitch, regarde mon truc, tu vas voir ce que j'ai fait. J'ai modifié le. Je suis très mauvais en texturing donc. Mais ça, je vais m'en occuper de toute façon. Mais je suis déjà en train de faire des modifs. Attends, oh, j'étends sur ton stream. Hop. Faut que je fasse du texturing après. Alors. Bon, j'ai pas fini. Je viens à peine de faire les. De faire les reliefs, etc. Mais en gros, bon, là, je l'ai pas encore fait. Mais ici, toute la colonne là, là. Attends, ça mon PC il est. Enfin, le stream a du mal à se lancer. J'ai pas encore l'image Dis-moi quand t'as de l'image. fond. Ouais. Voilà. Ok, c'est bon. Alors. Alors, tu vois, est-ce que tu vois là où je suis? Là, je suis dans le banc de poisson en Ouais. haut, là. Là, ici, je Ouais, mettrais ouais. un mur en plus. Je ferais ça sur les quatre côtés, bien sûr. Ouais. Donc là, voilà. Pour le spawn d'attaquant que je suis en train de faire, Ouais. on a ça. Donc,
J'ai prévu plus de poissons pour vous dans votre base. Ouais, donc déjà, ça, ça sera plus intéressant parce que aller chercher les poissons qui sont près des défenseurs, c'est bien. Je suis d'accord. Mais au début, c'est quand même intéressant d'avoir du poisson. Ouais, au début. Ouais, je suis d'accord. Il y a un petit bassin. D'ailleurs, tu verras, il y a le petit bassin là. Il y a les ouvriers de l'âge de pierre peuvent y aller. C'est prévu pour. Mm-hmm. Donc, il y aura du poisson là pour les starts. En plus des, même s'il y a les vaches, quoi. Enfin, les trucs. Donc, si jamais, par exemple, je sais pas, un mec Europe, il veut économiser un peu de bouffe, sauf que ça coûte cher, eh ben, il garde 2-3 ouvriers de l'âge de pierre, il continue comme ça, etc., etc. J'ai donné l'utilité quand même à la flotte, parce que bon, sinon c'est pas marrant. Et il y a des ressources de métal planquées dans la forêt. Oh là là, Laura, tu dois venir avec des bateaux transporteurs là, juste pour aller chercher le métal. Mais il y en aura pas que là, hein, je vais en mettre devant aussi. Mais disons que pour les games qui s'éternisent, ça peut être intéressant quoi. Voilà. Il y a la place pour que vous. Si vous êtes 3, il y a la place pour 3 entrepôts. Il y a la place là et là. Pour les deux. Vous passez avec des ouvriers entre les trois, tu penses? Entre le petit. Là, faut que les espaces un petit peu, mais les minerais de pied de fer, mais normalement, oui, ils pourront passer. Ok. Là, il faut que je fasse le relief, je ne l'ai pas fini, là aussi. Les montagnes sont à côté. J'ai fait 2-3 petites montagnes, histoire de dire. Mm-hmm. Il va falloir que je texture pour enfermer un peu le truc. Parce qu'en fait, le problème des trucs que j'ai fait, c'est industriel. C'est moche, quoi. C'est ignoble. Ça fait map quoi, ça fait vraiment pour oui, ça fait industriel, tu vois, voilà, exactement. Ça fait industriel quoi, alors que là c'est mieux déjà. Ouais, non, ça, ouais, après ça change pas grand chose en soi, simplement c'est plus agréable à regarder quoi, parce que c'était ignoble à la base, hein, parce que mais du coup là, la forêt là, moi aussi je l'ai supprimée. Parce qu'elle était absolument dégueulasse. Voilà, cette forêt-là. Elle n'y est plus, je l'ai enlevée. Et j'avais prévu un autre truc. Oui, toute la zone là qui est perdue. Parce que là, à mon avis, là c'est comme vous avez fait l'event, personne n'a construit là. Personne n'a construit où? Là, non. Voilà, personne n'a construit. C'est trop grand, ça sert à rien. Du coup, je vais réfléchir à essayer de faire quelque chose là. Alors, est-ce que ça sera décoratif? Est-ce que ça sera... un point pour un endroit où je ferai en sorte de pouvoir créer des trucs en plus pour faire d'autres events sur la même map. Je vais voir. Mais du coup, le terrain que vous avez utilisé, je suppose que c'est que celui qui a devant l'entrée des défenseurs. Ouais, en gros, toute la partie, en gros, ce qui est entre les défenseurs et les attaquants. En gros, c'est tout ça. Et entre les spawns de poissons. Ouais, donc vous avez utilisé que ça. Donc en gros, toute la partie en haut, en bas, tout ça, que dalle quoi. En haut, en bas, je crois. En haut, en bas, enfin... Alors en fait, j'ai rajouté 2 spawns, un tout en haut à droite et un tout en haut à gauche. Enfin, un tout en bas à gauche. Donc il y avait aussi des spawns là. Ah, dans les coins, tu veux dire? Ouais. Oh, c'était pas pratique pour le mec, t'as vu à quelle distance il était du... Non, mais j'ai rajouté du bois, j'ai rajouté de la pierre. Non, mais le bois, c'est pas ce qui m'inquiète, parce que tu vois le nombre de bois déjà qu'il y a de base sur la map. Non, mais regarde mon stream, j'ai rajouté... tout un petit truc. Oui, mais les ressources, c'est pas un problème. Ah, toi aussi, ça y est, vous avez tous appris à faire la toupie que je faisais. Bon, enfin, bref. Mais, oui. Après, les ressources, c'est pas le problème. C'est que tu regardes le mec, t'as vu la distance où il est d'où il est pour attaquer les défenseurs? Bah, en vrai, ce genre de personnes, c'est ceux qui font aviation, ceux qui font les France là. Oui, mais bon, c'est loin, quoi. Ouais, c'est vrai. Pour ça qu'à la limite, ce que je ferais, c'est que, admettons, on fait un Protect the King, où il y a autant d'attaquants que de défenseurs, sauf qu'on rajoute une team en plus, ou alors du moins, on rajoute 2 défenseurs supplémentaires qui spawneront dans les coins, et qui ne pourront pas se faire attaquer tout de suite par les attaquants, et qui seront là, entre guillemets, on va dire, renforts, ou je sais pas quoi. Enfin bref, on peut faire des... Mais justement, les renforts, on avait fait ça, pareil. On avait fait... 4 qui dans l'event là, on avait fait 4 qui défendent chacun les portes et 2 supports. Voilà. Oui, non, mais alors, ça oui, avec ça c'est exactement ce que j'avais prévu, de toute façon. Alors, ça, d'ailleurs, ça je l'ai enlevé parce qu'on m'avait dit ça c'est dégueulasse. Ah oui, vous avez pas compris par contre. À la base, tu vois là où t'as mis toutes tes merdes là. Ouais. C'est là où t'es censé avoir le temple du mec. Normalement. Hop là. De celui que t'es censé protéger.
Voilà, Tigidou. Mais du coup, le roi, là, vous l'aviez mis où? Parce que normalement, il était censé être au milieu, mais... On avait nos quatre temples collés ici. D'accord, parce qu'à la base, en fait, le roi, il est censé être au milieu. Mais vraiment au centre-centre, sur l'îlot là, normalement, c'est censé rentrer. Et d'ailleurs, apparemment, il y a beaucoup de zones rouges. Beaucoup de zones rouges? Genre lisser tout ça, genre pour qu'on puisse construire. C'est pas assez... on peut que poser le temple, si, en gros. Ouais, alors je vais le faire roi, ça, parce que je vais le faire roi parce que voilà. Mais la map, de toute façon, je suis en train de la modifier. J'ai demandé des retours. J'ai eu 2-3 retours de Roro, etc. Et je vais la modifier. Je vais m'en occuper, t'inquiète. Juste, va falloir que je vois. Fais voir un peu. Oui, bah oui, c'est normal. T'as vu la gueule du relief, c'est normal que tu puisses pas construire. Oh, attends. On va faire ça. Ici, voilà, je comptais faire un délire. Hop. Alors, j'ai laissé le poisson. Texturing, voilà, hop. Ouais, donc, j'avais mis un peu de sable, histoire de dire, mais bon. Mais bon, donc là, pareil, je me dis... Vous êtes tous servis du poisson ? Ah non, personne s'est servi du poisson. Et en fait, vu qu'il n'y a pas d'accès entre la... Tu vois, ici, là. Ouais. Il aurait fallu faire un petit chemin, tu vois. Bah, le but, c'était de vous obliger à sortir pour aller chercher du poisson. Et bah justement, personne ne l'a fait. Oh putain, je vais y arriver à vous faire sortir. Le problème, c'est que les défenseurs sont toujours cloîtrés. Ils comprennent pas qu'en défense, tu ne peux pas gagner si tu ne t'étends pas un minimum. Non mais on est allé construire sur... Même presque pas, hein, mais on est allé quand même un peu construire ici, là. Mais presque pas, quoi. Et ici, par contre, le poisson, on n'est jamais allé chercher, hein, vraiment. C'est dommage. Mais du coup, vous avez tous bouffé votre bois, etc., quoi. Ouais. Ah oui, c'est vrai que ça prend de la... Après, ça aurait été... je sais pas... Vu qu'on a le bois, on peut farmer le bois avec les mines, on peut farmer le fer avec les mines. Genre une farm à bouffe, je sais pas, un air comme ça. Une mine à bouffe. Ouais, il y avait un joueur Pologne, en gros, c'est ça? Ouais, alors moi j'étais joueur Pologne, mais j'ai fait de la merde, j'ai joué Ulan. Ouais. Il y avait un joueur Turquie, forcément. Donc joueur Turquie, joueur Pologne, et c'est tout. Après, il y a des joueurs. Putain, pourtant, avec les ressources que vous aviez sur la map, normalement, il n'y a même pas besoin d'avoir un Turquie et un Pologne, hein, mis à part parce que les nations sont fortes. La pierre, le bois, personne n'en avait, hein. Personne n'en avait du bois. Pourtant, il y en a une dose. Mais en fait, tout le monde l'a bouffé, hein, mais même en le bouffant, on n'avait pas assez de bois. Mais il n'y avait plus assez de ressources ou c'est juste le... Non, c'est juste le farm, soit il mettait pas assez d'ouvriers, soit il avait pas assez de... Oui, non, mais ça c'était un problème des joueurs, c'était pas un problème de la map. Non, mais on n'avait pas bouffé tout le bois. Mais ouais. Parce qu'avec le bois qu'il y a, franchement, ça m'étonne quand même que... Et vous avez essayé de passer à travers les forêts ou pas? Parce que je sais pas... Dans... Ouais. Ici, ces forêts-là, non, on n'a pas essayé. Parce que je savais pas... Alors j'ai essayé de faire en sorte qu'on puisse pas passer. Mais j'étais pas sûr que ça soit bon. Non, je crois qu'on est pas passé. Mais par contre, c'est vrai que les attaquants... En fait, j'ai donné une règle que les défenseurs pouvaient pas aller construire plus loin que leur rempart, en fait. Bah, c'était le but, de toute façon. Ça, c'était le but. Donc, par contre, je leur ai dit, vous pouvez quand même poster des troupes à l'extérieur. Bah, moi, logiquement, pour moi, le mieux, en fait... C'était de foutre des troupes assez tanky sur les rampes et mettre par exemple des grosses Bertha derrière, quoi. Bien planquées. Parce que tu les mets sur les montagnes, les grosses Bertha, elles sont tranquilles pendant qu'elles te démontrent. Et les attaquants aussi, ils ont. Il y avait une. Katusha a dit, mais pourquoi vous faites pas 5 Pologne, 5 Allemagne et vous faites 5 canons colossaux Il avait foudroyé le roi. Ouais, mais. Si tu ronds jamais le roi comme ça, enfin. Il va juste réparer en boucle, mais c'est tout, quoi. Bon. Mais, ouais. Allez. C'est juste que... Ouais. En fait, la map, en soi, elle a pas vraiment tant de défauts que ça. C'est juste les places, quoi. La place qu'il fallait. Ouais. Mais si on rajoute ça, ça va aller. Putain, pour une map faite à l'arrache... Je suis assez content, du coup.
Ok, ça c'est... Ouais, ça va. Hop, Bon, ça va. Roro, lui, était content de la map, en soi. M'a dit. Donc on va voir. Par contre, là, j'ai un petit problème, c'est que... Ouais, jusqu'à 13h20, j'ai le temps de bosser un peu dessus. Après, c'est moi, je vais m'en occuper moi, donc t'es même pas obligé de le faire, hein. Ouais. Ouais, non, mais donc t'as compris. Donc en gros, le poisson, faudrait faire un chemin là, à travers le bois là, un petit Ouais, chemin mais pour que j'ai tu peur qu'en nourrir. faisant ça, en fait, du coup, en fait, le but c'était de retarder, parce que le problème c'est que les attaquants, sinon ils vont passer au centre, ils vont aussi passer sur les côtés, vous allez vous retrouver, vous faire attaquer dans tous les sens. Et le C'est but vrai. c'était quand même de Le cibler truc, les c'est endroits où vous que faites attaquer, en quoi. fait, quand on farme le bois, les gens ils farmaient le bois surtout justement sur les côtés là. Ils le farmaient ici, du coup il y avait quand même presque un trou en fait. C'est pour ça Oui, que. à force, oui, mais ça retardait du moins. Ça les empêchait pas, mais Ouais. ça les retardait. Parce que Et sinon. après, non, mais les attaquants par contre, ils étaient loyaux, ils passaient pas par là là, ils faisaient pas le tour Ah, ils auraient et pu. ils n'avaient Après, pas il y trop avait qui ici. dans l'event de gros joueurs? Il y avait Buck, Roro, Léo. Et c'est déjà bien, je crois. Buck, Roro, Léo. Ouais, bah c'est Léo fait partie des meilleurs joueurs, donc ouais. Buck et Roro. Bon, Roro m'a dit que c'était bien. Buck, pour l'instant, je l'ai pas encore eu, mais il me dira tout à l'heure. Léo, bah écoute, on verra bien. Bon, écoute, ok. Ça me va. Donc les plus d'espace pour les défenseurs, et après c'est tout. Je laisse faire le reste. Hop. Enfin, je te laisse faire le reste, je te laisse faire la map. Oh. Moi, en plus, je suis très mauvais en map editing. Mais... Du coup, moi, c'est ma toute première map hein, en soi. Hein. C'est un Je fais surtout les textures, ça me. hein. Hop là, voilà. Et là, normalement, ça devrait être mieux. Hop, bon, je la. Hop. Hey, mais du coup, moi, j'ai mis les spawns. J'ai mis les deux spawns en plus. Les quatre spawns en plus sur la map. Les 4 spawns en plus? J'ai mis un Ah oui, spawn sur les attaquant, côtés, oui, tu deux m'avais dit. spawns attaquants et deux spawns ici aussi. Ah, t'as rajouté les spawns défenseurs? Ah oui, mais vous étiez combien aussi sur la map? Là, en fait, j'avais même pas besoin de les rajouter, mais je pensais qu'on allait être plutôt 12. Du coup, on Parce a que été 10. la map était prévue pour 10 personnes max, à la base. Voilà, ben on était 10 en fait. On était 11. Non, on était 11 parce qu'il y a qui s'est ramené à la fin? Il y a Buck qui s'est ramené tout à la fin, donc on était 11, 6 contre 5, 6 défenseurs, 5 attaquants. Et même comme ça, les 5 attaquants, on a gagné. Ils ont gagné? Ouais. Bah parce que c'était encore pas équilibré les teams. Bah si, en fait, on avait Roro Léo en défenseur avec moi et des randoms, enfin, des randoms, des gens qu'on voit pas souvent. Et en face, il y avait juste. Il y avait Buck et après des deux joueurs. Ah, il y a Perroquet Magique aussi. Un perroquet magique, c'est pas un gros joueur. Ah non. Non, mais c'est pas un gros joueur. Enfin, mais c'est quelqu'un qu'on voit un peu plus souvent que les autres. Parce que les autres, c'était vraiment un inconnu. D'accord. Ouais, Attends. le bois. Ah, je l'ai même pas enlevé. Ouais, du coup, celui qui était là. Bon. Hop. Le seul problème, c'est qu'il va vraiment falloir. Putain, mais du coup, ça m'embête un peu. Non, pas ça. Voilà. Merde. Bon, normalement, là, il devrait pouvoir monter. Et faire ça, donc ça gagne, on gagne un peu de place sur les défenseurs au niveau du centre. Mais bon, c'est pas non plus une folie incroyable. Après, vous manquiez de place, mais au-dessus, vous aviez une place astronomique. Où ça au-dessus? En haut, là, bah, quand tu regardes, t'es toujours sur mon Non, stream. parce que là j'avais rajouté des ressources. J'avais rajouté des ressources, T'as moi. rajouté quoi encore? De la pierre et tout? De la pierre, du fer, tout. J'ai tout rajouté. Comment, mais Vraiment, comment c'est j'ai. possible? Attends, il y a 10 000, 20 000, Et même 30 000, comme 40 000, ça, 50 000, 60 000. ils n'avaient pas assez. Ils n'étaient pas assez. Donc j'avais genre 15 000, un délire comme ça. Mais attends, mais j'ai une question.
Vous avez tout défoncé comme métal et tout? Ouais, tout défoncé, tout le métal, toute la pierre. Putain, mais comment c'est possible? Il a duré combien de temps l'event? Allez. 17h, 17h, 20h. 3h? Non, j'abuse un peu. Ça peut arrêter à 20h quand même. Non, avant, parce que. Ouais. Une heure, peut-être une heure et demie max. Une heure et demie max, ça veut dire que vous êtes tous passés hier 2, etc. Il y avait. Ouais, on est tous passés hier 2, ça c'est sûr. On est tous passés hier 2 et on est restés très longtemps tous hier 2. Putain, mais c'est incroyable! Une heure et demie, tu me dis que vous avez tout défoncé avec tout la dose bouffé, de. Mais en plus, j'ai rajouté des trucs. C'est pas les trois fers, trois pierres et tout. On a tout défoncé. Et putain, on a mis pourtant, des mines partout. Pourtant, il y en a un paquet. Et même comme ça, on n'était pas. Dans ce cas-là, c'est pas des spawns qu'il fallait rajouter, c'est vraiment du métal quoi, au niveau du bois. Il faut rajouter. Oh, ah ouais! Putain, le métal, personne n'en manquait, c'est la bouffe et le bois. La bouffe, c'est parce qu'on n'est pas allé chercher le poisson. Alors la bouffe, vous auriez dû passer aller chercher le poisson, c'est normal. Et le bois, c'est parce que l'aviation détruisait mes mines de pierre, du coup je pouvais moins en donner. Tu te retrouvais comme un con, ouais, je vois. Donc en fait, c'était purement problématique aux joueurs. Quoi. Parce que le métal, si vous en manquiez pas, ça va, mais après, je vais peut-être en rajouter quand même un peu. Non, mais par contre, le spawn, comment ça s'appelle, j'avais mis vraiment genre par spawn. J'avais mis 6 combien? Je sais plus, attends. J'avais mis un délire du style 6 trucs de métal, 5 trucs de pierre. Putain, par spawn. Par spawn. Et même comme ça. Des défenseurs seulement? Ouais. Parce que les attaquants, ils avaient bien plus. Ouais. Et qu'est-ce qui est revenu là? Nova Taka, tu étais sur l'event ou pas? Non, je regarde à l'event. D'accord, parce que du coup, ils ont pris ma map. Oui, mais en fait, le truc, c'est que ta map, elle est bien, mais c'est que... Il a rajouté des ressources, donc il manque de place, en fait, du coup. Quand il a rajouté autant de trucs. En fait, il faudrait faire la même map, mais en beaucoup... Genre une taille plus grande, tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est que je le trouve quand même vachement plus grand déjà. Non, c'est juste qu'en fait, il y a énormément de place sur la map qui n'est pas utilisée. C'est-à-dire que t'as vu tout le côté des attaquants, il y a une énorme place dans le coin, en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite et en bas à gauche, qui est pas pris. Mais du coup, je vais ravancer les murailles des défenseurs, entre guillemets, ouais, pour gagner de la place. Genre s'ils gagnent 2-3 mètres, c'est déjà pas mal. Oh, ils vont gagner beaucoup plus. Hein. J'ai réduit la place que prenait la genre de colline au milieu. Fait un stream et je suis sur Twitch. Ouais, mais. Tu te dépêches, je m'en fous, pas savoir. Je peux pas streamer les deux parce que sinon c'est pixelisé pour Discord et Twitch. Oui, je sais. Je l'ai remarqué à force. Après, quand ça s'appelle. On pourrait faire, un style de passage où il y a un défenseur qui est sur le côté, genre qui est à l'extérieur du mur, et il y a un passage exclusif. Ouais, non, comme là, si ça, partir, ça partirait. Je ne sais pas. Bah. S'il met son temple là-bas, il se ferait défoncer beaucoup trop vite, tu vois. Ça. Mais par contre, déjà, j'ai remarqué un truc, c'est que les gens n'ont pas pensé, ils n'ont pas voulu aller chercher le poisson qui était censé être prévu pour obliger les défenseurs à bouger un peu leurs fesses, quoi. Ouais, non, il y a personne à part un mec qui l'avait pris. C'est dommage parce qu'il y avait la blinde de poisson là-bas. Il a mis trois bateaux. En vrai, ta map, elle est cool, hein, mais le problème, c'est le poisson. Il est à l'extérieur. Oui, c'était le but. Parce que le problème, c'est que les défenseurs ils restent cloîtrés chez eux, mais à un moment donné, c'est facile de défoncer des mecs qui sont cloîtrés chez eux dans un petit endroit. Ouais. Mais j'ai rajouté du métal. Beaucoup. Moi je dis enlève un peu de mammouth, comme ça il galère un peu plus. Non, ça ira, je pense que je vais me faire taper sur les dos. On a mis les starts de ressources, LDA, non mais tu oui, mais je la retravaille entièrement parce que le problème, c'est que tes starts de ressources ils sont bien gentils, mais ils bouffent tellement de place que. Voilà quoi. Alors que là tu optimises, c'est-à-dire que tes entrepôts que tu mettais pour le bois vont être aussi pour les trucs de métal qui sont là. Il sert strictement à rien parce qu'à partir d'un moment tu devras mettre un nouveau entrepôt. Oui, mais au début du moins tu peux faire ça, au lieu de mettre un entrepôt pour ça et un entrepôt pour ça. Alors pour le début ça sert toujours. C'est vrai que t'es coûts un peu quand même 600 de... 600 de... Déjà est-ce qu'il y a la place pour un entrepôt? Là? Oui. Non. Si. Si, mais on va dire non. Bah si. J'ai vérifié plusieurs fois les places qu'il fallait. Hein. Là par contre, tu vois, il n'y a pas la place.
Ouais, donc la prochaine fois, faut... parce que Protect the King, moi c'est la première fois que j'en faisais un, et donc... Oui, vous avez aussi modifié les règles. Modifier les règles comment ça? Qu'est-ce de que base, c'est un attaquant de plus. Et vous avez fait l'inverse. Non, c'est un défenseur de plus, normalement. Non, non, toujours un défenseur. C'est toujours un attaquant de plus. Ah ben moi, j'ai fait 4 ou 5 Protect the King, et ça a toujours été ça, un défenseur de plus. Et le défenseur perdait quand même. Fois, moi, j'en ai fait 2, et c'était des attaquants. Bon, il y a assez de ressources, là, tu vas pas me dire qu'il y en a pas assez. Ouais. Non, il y en a pas assez. Ouais, non, parce que ça, moi, ça celui va, que j'avais ça fait va. Où il y avait un Mario qui avait spam les Katyusha, c'était les attaquants qui étaient plus. Ouais, je sais pas. Ah, celle où j'avais fait des Katyusha aussi et qu'on s'était fait rouler dessus. Mm-hmm. Après, c'est peut-être vous avez changé les règles depuis. Mais... Ouais, oui, bah oui, parce qu'en fait, les attaquants, c'est et déjà du coup, c'est tu vois, moment, vu, en fait, sont la Pologne, en fait, dès que t'as pas les. Comment ça s'appelle? Les mines de pierre. Non, dès que t'as pas les tanks polonais. Les comment s'appelle là les tanquettes. En fait, tanquettes. Fait... Tant que t'as pas les tanquettes, c'est un peu compliqué. Eliane, tu sais pourquoi les défenseurs vont souvent perdre? Parce qu'ils peuvent pas attaquer. C'est nul. Moi, je pense que le vrai problème, c'est que non, alors, si on... hormis le fait qu'ils peuvent pas attaquer, le vrai problème, c'est qu'ils restent trop bloqués à un seul endroit, quoi. Parce que bah ils défendent. Oui, mais ils défendent. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont défendre un mur. C'est-à-dire que si le mur 7, ils ont perdu. Oui, c'est ça. Ils ont pas le concept de faire 3 murs, d'en défendre 3, et c'est-à-dire que quand il y en a un qui tombe, tu te replies et tu vas au deuxième. Alors que s'ils faisaient ça, alors je dis pas qu'ils gagneraient, mais ils gagneraient énormément de temps. Bah déjà, là ça joue pas à grand-chose, mais... Bah c'est ça, c'est-à-dire que, admettons, ils ont dû défendre, il m'a dit que je crois qu'ils avaient défendu à ce niveau-là, apparemment. Un petit peu. Non, là ils ont juste fait un mur en bois... Et ouais, ils ont défendu là une quoi. Fois niqué un colossal. Bah, ils sont venus là quoi, en gros. Ils se sont fait niquer par en bas, par un mec qui spammait de la merde. D'accord. Parce que normalement, ce qui était prévu, c'est que vu qu'il y a plus de défenseurs que d'attaquants, tu peux murer de partout. Tu peux murer de partout, t'as même le temps de faire 2 murs. Voilà. Et idem, ce qui était prévu aussi, c'est qu'au milieu, il y ait le king qui s'y mette. C'est-à-dire que. T'as rajouté du bois en haut? Il n'y avait pas ce bois là. Lequel? Ça là? Non, tout en haut, non, chez les attaquants. Le bois. Ouais, ça. Tu l'as rajouté. Non, c'est ça que j'ai fait moi. En plus, ouais, j'ai c'est changé. C'est ce que tu viens de rajouter. Ça, c'est. Je viens de le changer ça. Ouais, ok, je me disais bien. Parce que tout à l'heure. Ouais. Ça, je viens de le changer, mais c'est purement esthétique, ça change pas grand chose au spawn. Juste qu'il y a plus de joueurs, c'est tout. Mais je sais même pas si je vais le laisser comme ça. Ouais. Mais ouais. T'aurais pu faire un effort sur tes montagnes. Mais pour l'instant, elles sont faites à l'arrache. Mais il faut que je les retravaille correctement. C'est juste pour l'instant, c'est un pattern. Travaille au pixel près. C'est un pattern en fait, simplement. Ouais, je sais. Il fallait bien que je fasse des montagnes à l'arrache au début pour savoir comment je vais faire. Hein. Et commence pas parce que sinon, je fais encore pire que ce que j'ai fait là pour le métal. C'est-à-dire que je vais le planquer à perpète et faudra aller chercher comme un bâtard. Voilà. Mais pour les défenseurs, ouais, le problème c'est bah, que. Déjà là, ce métal il est chiant à voir quoi. Celui-là ? Non, ça va, être plaisante quoi. Tu prends 20 ouvriers, tu les fous dans des bateaux. Terminé quoi. Est-ce que j'ai la foi de faire des bateaux ? Bon, écoute, je ferai un trajet là où il y aura pied au niveau de l'eau et tu balanceras tes ouvriers là-bas. T'es content ? C'est bon ? Ouais. Voilà. De toute façon, quand je vois que l'idée de mettre le king au milieu n'a pas été respectée. Déjà, ça m'a un peu dégoûté. Mais si, ils l'ont mis totalement au milieu. Oui, totalement. C'est-à-dire que j'ai vu qu'il y avait 3 trucs de métal au milieu à la place du king. J'ai mon chat qui fait que des. Le truc du king devrait être un petit peu plus haut, tu vois, pour qu'on le voit bien. Bah, je pense qu'il est déjà assez haut, non? Ouais, il devrait être bien plus haut. Oui, t'as raison. Comme ça, je prends encore plus de place parce qu'il faut faire des rampes pour que les ouvriers y accèdent. T'as raison, ouais. Oui. Voilà. C'est ça, ouais. Il est débile, toi, un peu, non? Non, je suis un génie, c'est juste que t'as pas compris. Ouais, ça doit être ça. Mais du coup, là, alors, attends, parce que. Hop, hop. Hop. Donc, on a dit. En gros, bêtement, on va faire. Oula! Putain, je pensais pas être si proche des montagnes. J'ai fait là. Putain, je suis si proche que ça.
après, dans ce cas-là, on peut faire un truc comme ça. Hein. Tac. Tu vas jouer, non, Mataga? Oui, mais je finis de manger mon petit-déj. Ton petit-déj. J'ai été au forum faire une demande d'emploi, là, de merde. Oh. Et quelle est-ce que cette demande d'emploi, tu me racontes? Bah, c'est juste au cas où que je trouve pas d'emploi, que je reçois des allocs. Hop. Du coup. Et aussi, ce que j'ai fait, c'est comment on appelle ça? Ah oui, je dois aller à une ASBL aussi. Après, ça c'est pour des stages. D'accord. Comme ça, je dois pas chercher d'emploi. Parce que pendant que tu fais ton stage, t'en as pas besoin. Hop. Voilà. Comme ça, ils seront contents, les défenseurs. Oui, on n'a pas de place, gna gna gna. Là, ils ont trop de place, hein. Mais non, ils ont pas trop de place. Excellent. Merde. Après, en même temps, les mecs qui étaient en défense hier, ils ont fait un peu n'importe. Nawak. Bah, c'est ce que je pense aussi, mais bon, voilà. Bah, il y avait une meilleure gestion à faire, mais... Wow. Normalement, la map, elle a un potentiel, normalement... Alors, je dis pas que c'est la meilleure map du jeu, mais elle a quand même un putain de potentiel. Non, sur mais le... déjà, il y a des mecs, ils ont fait des pâtés de maison. Tu vois, genre, ils ont fait une grosse boule. Ouais, d'accord. Au lieu d'entourer le temple avec tes maisons. Tu as gagné un peu de place, quoi. Tu mets ton. Ouais, mais tu entoures déjà ton temple avec des maisons. Tu fous ta ferme dedans. Comme ça, t'as des villageois pour le réparer. Et après, tu fais des fils barbelés un peu autour, comme ça, s'il y a des tanks qui essaient de venir, bah ils doivent soit le péter pendant une demi-heure, le truc, soit ramener des ouvriers, ce qui serait chiant. D'accord. Ou les. Comment ça s'appelle, les ingénieurs. Ouais, mais faudrait qu'ils ramènent des D'ailleurs, ingénieurs dans ta tu base. Tu sais, j'ai vu quelqu'un pendant l'event réparer ses grosses Bertha à l'ingénieur. Mais il a raison. Pendant un fight. Mais la raison, c'est une super idée hein, de faire ça. Hein. Parce que t'économises du coup. Tu les répares au lieu de te les faire détruire, t'économises énormément de thunes hein, à faire ça. Hein. J'ai vu un mec avec des Bertha d'essayer de détruire les murs de métal de merde de lierre. Il y a passé une demi-heure. Puis, je crois que la game elle s'est finie. Il est. T'es encore en train de les taper. Non, il les avait cassés, tu vois. Mais il avait envoyé des ouvriers après. Une demi-heure. Et c'était le seul qui lâchait un stream, quoi, dans les attaquants. C'était intéressant. D'accord. Super stream, en tout cas. Après, stream un truc comme ça... Il avait aussi fait des avions pour bombarder les ouvriers des gens. Oui, d'accord. Par contre, il devrait mettre un truc comme ça. C'est-à-dire que les défenseurs ont le droit d'attaquer les ressources des ennemis, la production de ressources des ennemis, mais que par avion, par exemple. Bah oui. Non. Peut-être pas non plus. Ouais, les ressources et... Ou les bâtiments de production. Les bâtiments de production, ce serait génial. Parce qu'en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'ils se font niquer leur armée et un peu de production, et à fur et à mesure, ils n'arrivent plus à produire. Bah oui, parce que le problème, c'est que les défenseurs, eux, ils se font bombarder les ressources et tout. Alors que les attaquants, bah, ils sont tranquilles, quoi. Donc, voilà. Bon, il y a assez de place, là, non? Vous allez pas me dire que maintenant, les défenseurs, ils ont plus assez de place, là. Mais c'est chiguilou, mais par contre, ouais, c'est chiguilou. Et il y a ce qu'il faut, là. Ouais, et du coup, faire. En vrai, Alien, une map parfaite pour les défenseurs, ce serait vraiment genre une ligne au fond où t'as que des ressources. Et ils sont obligés de mettre leur temple un peu plus devant, tu vois ce que je veux dire ou pas? Attends, une ligne de ressources devant. Derrière et, les temples, et le temple J'sais devant pas comment... Attends, je vais te faire un dessin paint. Putain, il me sort le paint, attention. Oh, sachant que j'ai un master en paint. Bien évidemment. Attends, déjà, comment on fait un carré? J'ai un master en paint, comment on fait un carré? Okay. Oh bah dis donc! Oh putain, j'ai mal au dos par contre. Les bordures sont en noir. J'ai réussi mon carré. Yes. Bon, maintenant on va représenter les ressources avec n'importe quoi. Tac. Par contre, voyons voir. Je vais peut-être ajouter un mur. Entre guillemets ici. Parce que j'ai pas envie non plus que ça soit trop grand. Parce que sinon ça va devenir n'importe quoi à défendre. Ça va devenir très chiant. Voyons voir.
Comment est-ce que je peux faire un truc comme ça, moi? On va faire un truc comme ça. Hop. Merde. Le con. Hop. Voilà, comme ça, il n'y a que l'infanterie qui passe à ce niveau-là. Enregistré sans titre. Voilà. Tu... Ah, Discord. Tu... Attends, mais pourquoi tu me fais pas un stream de ça au lieu de me l'envoyer? Pourquoi je te fais pas un stream? Oui. Parce que d'abord, je dois trop... Mais je sais pas... Pff. Arrête. Parce que t'es con, on est d'accord. Non, j'ai juste activé ma macro là, donc... Attends, c'est... Pourquoi tu me parles de poisson à chaque fois? Poisson... Attends, tu me fais un beau poisson d'Ariel là. Document raccourci? Non. Eh, je déteste Paint. Ah voilà. Je croyais que t'avais un master en Paint. Pourtant, t'as un master. Non, mais j'ai un master. Je le vois comme ça. Après, c'est dégueulasse, hein. Je le confirme. Fais-moi un peu. Mais je sais pas si tu comprends l'idée. Les ronds, c'est les temples. D'accord. Ouais. Oui. Mais bien sûr, la map serait plus grande, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, comme ça, t'as les ressources derrière et t'as pas les ressources sur les temples. Du coup, tu vois, ils doivent te tuer pour avant de niquer tes ressources. Parce que là, les défenseurs, en fait, ils sont entourés et leurs ressources... En fait, quand ils se font attaquer, ben, tu leur coupes leurs ressources, quoi. Oui, sauf que sur la map que j'ai là, par exemple, les attaquants, est-ce qu'ils attaquaient vraiment partout sur la map? Ah non, tu l'as envoyé en MP, j'avais pas compris, ça. Ouais, hein, je l'ai envoyé en MP. Parce qu'ils attaquaient vraiment de tous les côtés? Ben, il y avait un Allemand avec des Bertas en haut. Là, ouais. T'avais... En bas, t'avais un autre mec, et sur la droite, t'avais un autre mec. Et à gauche, il y avait quelqu'un? Ouais, il y avait l'Allemand aussi qui faisait des avions, des gros trucs là. Les mouses? Ça s'appelle... Non, le plus gros truc de l'Allemagne. Bah, le plus gros char, c'est le Colossal. Non, non. 5000 de métal, j'ai oublié son nom. Un canon colossal? Ouais, il faisait ça sur le côté là-bas. Mais je viens de le dire! Oui, mais un truc. Ah, mais je t'ai pas entendu. Mais en fait, lui, il y avait aucune troupe qui arrivait par là en fait. Ouais, juste par là il y avait pas de troupes, mais sinon de tous les autres côtés c'était... Parce que en soi, si tu te mets dans le coin là, pour attaquer tes ressources, faut que les mecs déjà ils arrivent ici sur le côté là. Donc en soi c'était censé aller. Après je te dis qu'ils venaient en avion aussi bombarder les ouvriers. Ouais voilà, après s'il y a pas de défense antiaérienne aussi... Enfin un effort aussi. Streamer, hein, oh viewer, oh là là. T'es jaloux? Oh... D'ailleurs, faut que je revienne sur Twitch. Voilà. Là, je m'imagine le défenseur qui est Angleterre qui fait que des Folly Fox et il bombarde les ennemis en permanence. Voilà, Folly Fox. Et personne n'a fait de Folly Fox. Ah, c'est des Holy Fox, pas des Folly Fox, mais vous êtes trop proche d'armée. Holy Fox. Après, faut savoir que les avions français peuvent battre les Holy Fox. Mmh. Ouais, mais en plus grande quantité. Pour oui, mais ils coûtent beaucoup moins cher aussi. Voilà. Mmh. Ils coûtent beaucoup moins cher les avions français. Mmh. Je crois que deux avions. Non. C'est trois avions français. Français ouais. Non, c'est trois avions français pour un Holy Fox. Ouais, mais c'est aussi deux avions français pour un navire de guerre. Les bombardiers. Mmh. Alors, tu peux en mettre que deux. Mais il faut qu'ils touchent toutes leurs bombes. Et vu qu'une fois sur. Ils les touchent une fois sur trois toutes leurs bombes, t'es obligé d'en avoir trois. C'est pour ça qu'en général, quand je joue France, c'est-à-dire quasiment tout le temps, je fais toujours trois potèses. Parce que c'est trois pour une tour, c'est trois pour être sûr de tuer un bateau, c'est trois pour tuer les canons facilement, c'est en fait toujours trois. Les FT, et pour tuer des FT-17 par exemple, c'est trois. Pour tuer des T-34, c'est trois. Tu vois? Ouais. Du coup, ça en fait 3. Je sais pas, il y a un mec qui en avait fait 2, il avait one-shot mon navire, j'avais bien le Oui, seul. Alors, c'est ce que je te dis, il peut one-shot ton navire. Ouais.
Mais il faut qu'il touche toutes ses bombes. Tout, quoi. Et vu que c'est pas toujours le cas, du coup, bon, voilà. Après, c'est possible, hein. Les avions français restent forts quand même. Et faut combien de trucs comme ça pour tuer un Yamato? Pour tuer un Yamato, combien de potes il faut? Ouais. Voilà, quand même, faut quand même un paquet là par contre. C'est autre chose. Non, parce que la dernière fois, moi, on était en map naval, je me suis pris 25 Yamato dans la gueule là. Il y avait deux joueurs au Japon, ils avaient fait full Yamato. Alors, sache une chose, s'il y a full Yamato et que toi, que tu n'es pas Japon, que tu ne peux pas répliquer avec la même chose... Putain, merde, j'ai fait de la merde. Merde, attends. Faut que je rattrape cette merde, ce que j'ai fait. Voilà. Si tu peux pas répliquer avec des Yamato aussi, t'as deux solutions. Si c'est une map navale, tu attends qu'il se rapproche et tu... Alors, si t'as un Allemagne avec toi, tu attends qu'il se rapproche de la côte. Tu demandes à l'Allemand qu'il fasse des grosses Bertha et toi tu fais des hypothèses. Mais il faut absolument que t'aies un autre joueur qui fasse des avions à la con, pas trop cher. Parce que le problème qu'il y a, c'est que les hypothèses vont se faire des pop avant même d'arriver. S'il y en a trop, c'est impossible de tuer un Yamato. Parce que le Yamato, oublie pas qu'il fait... Je crois qu'il y avait 5 Yamato par un gars. Alors après, s'il y en a 5. À la limite, ce que tu peux faire, c'est que les joueurs, pour l'instant, ils n'ont pas encore l'intelligence, même si c'est pas très sympa de dire ça. Ils n'ont pas l'intelligence de se dire, il y a un hypothèse, s'il y en a qu'un seul, c'est bizarre, tu vois. Du coup, ils vont envoyer tout leur Yamato sur le hypothèse que tu as envoyé. Donc, dans ce cas-là, tu envoies deux hypothèses à la con, suicide sur le côté. C'est-à-dire, d'un côté, à l'inverse de là où tu vas envoyer toute ta flotte. Et en fait, de l'autre côté, tu vas envoyer toute ta flotte et tu pourras détruire les Yamato. Mais il faut absolument en fait que tu fasses en sorte que les Yamato ne tirent pas tous en même temps sur l'hypothèse, parce que sinon ils vont se faire dégommer. Tu pourras pas. Pas possible. C'est quoi un hypothèse? Hypothèse, c'est les bombardiers français. Tu sais vraiment pas ou tu te foutais de ma gueule? Non, vraiment, je savais pas que ça s'appelait hypothèse. J'ai pas le jeu en français. Alors, par contre, 30 petites secondes, j'ai un coup de fil à passer. Je reviens. Non. Tu peux pas.
Alors, bah désolé du coup, hein, ça a été un peu plus long que prévu. T'as tout le monde est parti du coup, super. Bah ils ont fait ouais, Liane c'est un connard, je l'aime pas. Oui oui, ça doit être ça ouais. Je voulais faire ma map et il m'a pas laissé tranquille, il le fait à ma place, du coup je me déco. C'est normal, c'est la mienne. C'est pas ta map, arrête. Si, c'est la mienne, c'est mon mien. Hop. Hop, hop. Dis-moi quand t'as fini de manger qu'on lance une game, parce que comme ça après je m'occuperai de ça quand je suis seul en général. Le matin très tôt. Hop. Attends deux secondes. Comment je peux deviner FDP? Je suis pas Jésus. Quoi? Et quoi? C'est l'antivirus à désinstaller Discord. Attends, ça te dérange si je reviens dans 5 à 10 minutes? Putain, mais ça y est, tout me part. Non, vas-y, non, vas-y, vas-y. Fait. C'est juste que j'ai un petit problème à régler avec un coupon. Avec un quoi? Avec un coupé. Ah, d'accord, un coupon au début. Qu'est-ce qu'il me raconte? Non, c'est juste de régler un petit truc. Ça va, bah vas-y, vas-y. Écoute, sinon, moi je pars pas. Vas-y, hein. Je reviens. Ouais, de toute façon, je suis là dans 5 minutes. Ça va. À toutes. À toutes. Alors, tac, tac. Alors. Alors ça un autre 4, il y en a 4, il y en a 5, bon c'est pas grave, allez, c'est pas là. Bon, j'ai 30 secondes de plus, il arrive pas à lancer Discord. Mais il s'en sort. Ah, en fait, tu vas lui filer un coup de main parce qu'il comprend pas ce qui se passe. Il y a un truc qui plante et il arrive pas à le régler. Non, c'est l'inverse, c'est moi qui ai le problème. Mais qu'est-ce qui va pas? En fait, bah, potentiellement, j'ai un petit logiciel sur mon PC qui me permet d'avoir tous les skins sur un certain jeu vidéo. Sur League of Legends? Non, non, pas sur LoL, sur Fortnite. Warzone. Ah, sur Warzone, on s'en fout ça. C'est nul. Mais moi, je m'en fous, j'aime bien les skins. Bien les skins. Ouais. Non, et du coup, le truc, c'est que je reviens, il est là. Ciao, ciao, je t'explique après. Ça va, ciao, ciao. Coucou JCMK, bah écoute, ça va et toi? Assez fatigué, ça va, toujours, d'habitude. On refait une map d'un event qui a eu hier après-midi à 16h30, je crois, à peu près. Qui était fait par Kyosho et Léo, Buck. Il y avait qui encore? Il y avait Léo, Buck, Roro. Etc. Puis d'autres joueurs qui sont un peu moins présents sur le serveur. Ça va, putain, moi aussi ce matin je m'en suis occupé de ça. J'avais 14 heures de rediff de stream à. 14 heures de rediff de stream à. à réécouter. Oh, t'as quitté le serveur. Encore? Tu as ton temps à quitter le serveur, toi? Tu quittes, tu reviens, tu quittes, tu reviens. Mais c'est un connard. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est. Pourquoi? À chaque fois, quand je suis pas là, il se passe toujours des bordels. C'est incroyable. Bah, ouais, écoute, tu fais comme tu veux. Moi, je voulais pas te forcer à revenir, hein, tu sais. Tu fais comme tu veux, comme tu peux. Hein. Par contre, votre chat, elle est un peu grosse. Enfin, la police est un peu grosse. Je sens que ça sera mieux. Voilà. Donc là. Faudra que je fasse de la texture après. Ça aussi, faudra que je texture. Là, il y a des arbres, c'est bon. Bon, du coup, voilà, va falloir que je fasse ça un peu partout. Hop. C'est quoi cette histoire? Je sais pas si ça marche, ça marche plus comme ça.
Dommage ça. Tu sais, bien, qu'est-ce qui s'est passé du coup avec West machin? Que ça est super petit et je pense que la diffusion de toutes les langues sera européennes, ça concerne. Ah, mais parce que. Non, mais. Ta vidéo était en anglais, non? Ah ouais, il y a un autre mec qui a mis sa vidéo en anglais? Fais voir. Vidéo. Max. Roro. Max. Nova. Amario. Nova. Ah, mais Ixia, c'est autre chose. C'est. Oui, non, mais Ixia, c'est autre chose. En fait, Ixia, les vidéos qu'il fait, c'est... Comment t'expliquer ça? C'est compliqué à comprendre, en fait, mais... Voilà. Mais en gros, si tu préfères... Ouais, bah tu sais, bah voilà, c'est pour ça, mais en gros, vraiment, sur le serveur français, il veut vraiment que des vidéos françaises. Et dans le serveur anglais, des vidéos anglaises. Et le problème, c'est, du coup, faut faire partie du cercle proche des stables pour poster des... Non, du tout, c'est pas ça. C'est qu'en fait, Ixia, à part sa vidéo là qu'il avait sortie pour les nouveaux... En fait, il sort les nouvelles méta, c'est-à-dire que c'est pas des vidéos, c'est des méta et c'est un peu comme des vidéos tuto, en fait. Et c'est pour ça qu'il l'a laissé, il me semble. J'en avais discuté avec lui. Mais si tu regardes bien, à part une présentation et un genre de truc... Bon, en fait, ouais, c'est ça. Il a fait une rediff de tournoi, une présentation du jeu, et il y avait autre chose, et les nouvelles méta. Et en fait, c'est juste ça, c'est un peu comme des vidéos tuto qu'il a fait. Donc bon. Je pense que c'est pour ça que West, il a préféré laisser il a laissé Ixia et pas toi, parce que toi, à mon avis, c'était quoi? C'était du gameplay, non? Vidéo sur le nouveau mode. Et on me cancel. Hein. Bah après, je sais pas. Merde, c'est ça que je vais faire. Je sais pas, peut-être qu'après, je sais pas pourquoi il a fait ça. Je sais pas, c'est assez bizarre. Donc, cancel. Ouais. Ouais, bah, je sais pas. Hein. Je vais être honnête, je sais pas du tout pourquoi il t'a demandé cancel alors. Si c'est une présentation du nouveau mode, bah, je sais pas. Écoute. Faudrait voir s'il n'y avait pas un truc qui plaisait pas, s'il a pas regardé ton contenu et qu'il s'est pas dit oui mais c'est que pour les anglais, Parce qu'après en fait je pense que pour lui en fait ta vidéo aurait dû partir dans l'international plutôt que dans la commune française. Oui, je suis d'accord, JCMK, mais en fait, pour West, l'idée du serveur, c'est pas de toucher plein de gens avec des vidéos. L'idée du serveur, c'est vraiment de regrouper les communautés françaises, anglaises, etc. Donc, Oui, non, mais après, je suis d'accord, JCMK, mais bon, je sais pas. Si ta vidéo, elle est majoritairement anglaise, enfin en anglais, et que tu l'as posté sur le truc français, je pense que lui, il s'est dit juste, ben voilà, il fait des trucs internationaux, ça va sur le serveur international. Je pense que c'est ça. Maintenant, écoute, je sais pas trop. Je t'avouerai, j'ai pas trop de raisons en tête pour lesquelles il t'aurait dit de stopper, hein. Vu que moi je fais que des vidéos en français, je sais pas. Franchement, je sais pas. Bon, écoute, on verra bien. Hein. Moi, pour l'instant, il m'a jamais dit de supprimer des vidéos, même si j'en fais tout le temps. J'en fais quasiment tous les jours. Je fais tous les jours des streams quasiment. Bon. Parle pas français alors que tout le monde comprend deux mots en anglais.
Oui, certes. Certes, mais bon, qu'est-ce que je te disais, hein. C'est pour ça, à mon avis, c'est pour ça que c'est censé être sur l'international. Voilà. Parce que normalement, les vidéos qui sont sur le serveur français sont censées être pour les Français, et c'est pour ça qu'il y a le serveur international. Écoute, après, je sais pas, faut voir avec lui, moi je t'avoue que ce genre d'histoire, je peux pas trop te dire pourquoi il fait ça, quoi. Ça fait quoi? Bah pour l'instant, en fait, je... Hier, du coup... Oui, c'est ce que je te disais. Enfin, c'est ce que je disais. C'est qu'en gros, hier après-midi, vers 16h30... En fait, non. En fait, ça, c'est une map qui existait déjà. C'est une map que j'avais faite pour tester le map editor, qui était en, qui est en V1. Oui, c'est une map pour tester le map editor. Et en gros, c'était vraiment fait à l'arrache complet. C'est-à-dire que les spawns étaient... Enfin, tu regardes, hein, c'est pas beau, c'est très industriel, c'est un peu n'importe quoi. Et en fait, je suis en train de tout refaire. Voilà, c'est pas, il n'y a pas de texture pour l'instant, c'est que du verre pas beau, mais voilà. Et je suis en train de tout refaire pour rendre ça plus joli. Parce qu'en fait, tout le monde m'a dit que la map est bien en soi. Pour un Protect the King, c'est un event où en gros, il y a un roi qui doit le protéger, il se fait attaquer par deux joueurs, enfin bref, voilà. Je t'épargne les détails, on en parlera plus tard pour ça. Et en gros, comment t'expliquer ça? Là, à l'heure actuelle, ce que je fais là, c'est je l'ai décidé parce que, enfin, comment dire ça? C'est qu'en gros, la map a des défauts. La map est plaisante à jouer. Et en fait, elle va être utilisée pour les events de ce type-là. Donc je suis en train de la refaire, de la retaper en mieux, parce que déjà ça me fait plaisir de le faire, pour qu'on puisse faire des events Protect the King bien plus intéressants. Ils sont déjà bien les events, mais avec une map qui est de meilleure qualité, on fera peut-être des events plus intéressants et de meilleure qualité aussi. Forcément, quand il y a un event sur une map prédéfinie, la qualité de l'event joue, mais la qualité de la map aussi. Elle suit, c'est normal. D'où l'idée de j'améliore la tête de la map. Alors là, le problème à l'heure actuelle qu'il y avait, c'était l'espace pour les défenseurs. Parce que comme tu vois, les attaquants sont là, donc il y a énormément de place qui n'avait pas été exploitée justement. Faut que je regarde. J'ai pas pris en vidéo la chaîne, enfin l'event. J'étais pas là moi pour l'event. Je sais que j'ai eu des retours parce qu'en gros j'ai vu que sur la enfin sur le chat textuel event il y avait. Ah oh, pour l'instant il y en a qu'une seule et ouais bah si tu veux. Hein. Attends si tu veux je te donne mais pour l'instant c'est pas terrible. Il y en a qu'une seule et elle est pas terrible. Alors attends. Tiens je vais te donner. Je vais te l'envoyer. Hop. Impartial. Je suis un impartial d'accord. Ah, écoute, si ça te fait plaisir, j'ai juste fait un test, donc je m'en fous de toute façon. Je pense que là on est pas mal. Bon, alors. Hop, je te l'envoie en. Tout épique. Oui, bah oui, écoute, ça c'est l'habitude de l'écrire comme ça. Normalement, ça t'ouvre bien la bonne page. Je suis pas sûr, mais normalement. Ouais, t'ouvres la bonne page. Alors, faut savoir que tout ce qu'il y a sur cette page YouTube, c'est une vieille chaîne que j'avais avant. Donc, j'ai supprimé les anciennes vidéos qui étaient pas terribles. Bah bien sûr que je suis en live sur les deux, qu'est-ce que tu crois? J'ai partagé le truc. Là je suis en... Là le chat je l'ai en multistream. Hein. Tu savais pas qu'on pouvait faire ça? Bah voilà. Mais pourquoi ça t'étonne alors?
que j'ai, je suis en live sur les deux. Faut un bon PC. Oui, bah après j'ai un bon PC, donc oui forcément, oui voilà. Ouais, ok, je comprends bien. Mais parce que je, il y a que aujourd'hui que je stream sur mon, sur la chaîne YouTube aussi en même temps. Parce qu'à la base je le faisais pas, c'est juste j'ai appris la fonctionnalité là il y a pas longtemps. Enfin j'ai appris la fonctionnalité. J'ai fait la, j'ai mis en route le truc il y a pas longtemps. Du coup voilà. Mais oui, pour la chaîne YouTube là, la vidéo qui est actuellement, elle est pas ouf. C'est simplement une vidéo basique, une Game of War sélection. Il y a un montage à la con au début, à la fin, pff, pas terrible. C'était juste pour un test parce que j'utilise un logiciel de montage vidéo qui est pas simple et qu'il faut, où il faut que j'importe les images, etc. que j'ajoute. Constructif, qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Petit frondeur parce que. Putain. Qu'est-ce que t'as fait? Mais ça fonctionne pas. T'es bête. Ah oui, c'était du montage ça. Oui, non mais c'est ignoble hein. C'est pas ça, c'est qu'en gros t'as des logiciels de montage vidéo qui font qu'en gros t'as déjà des boutiques d'images dessus. Mais là sur ce logiciel là c'est pas le cas. Parce qu'en fait tous les logiciels que j'ai trouvé qui avaient la banque d'images, il y avait un filigrane dessus. Donc en gros quand tu postais la vidéo, enfin tu pouvais pas envoyer le truc. T'es claqué au sol. De quoi? Je sais pas, j'essaie de réagir à ce que j'entends. Hein? Putain, moi j'ai trop le seum, mon logiciel tiers ne fonctionne pas. Enfin, j'arrive pas à le faire fonctionner sur Windows 11. Non, après je suis d'accord, JCMK, mais pour l'instant j'ai pas forcément les moyens de le faire. Du coup, ce que je fais, c'est que je crée mes propres effets moi-même. Donc je suis en train de me faire ma propre banque pour l'instant. Ce qui va être très long, mais je suis en train de le faire. Et j'ai un projet qui est en cours et je suis en train déjà de faire les cuts pour ça. C'est une série sur Anno. Là, actuellement, j'ai plus de 40 heures de stream à re-regarder, re-écouter, générer les trucs. Même que tu veux monter, si tu veux, j'ai MK après. Hein. Si ça te fait plaisir, oui, on pourra le faire. Écoute, tu sais... Tu sais... pas sur sa chaîne. Non. T'inquiète. Mais par contre, il y a des contreparties qui peuvent être intéressantes. Bon, enfin bref. Une petite pub par-ci. Non, mais par contre, en vrai, s'il me file un coup de main comme ça, moi je veux bien mettre le lien de sa chaîne, etc., dans ma bio à moi, etc. Enfin, faire un truc, voilà. Parce que bon, il va pas me filer un coup de main gratuitement comme ça. Tout travail mérite salaire, quoi, un minimum, quoi. Tout travail mérite 2 followers. Projet avec Anne pour monter des vidéos pour moi, mais c'est pas pour tout de suite, donc j'ai du temps. D'accord. Balek. Oui, toi tu t'en balek, mais moi personnellement, avec l'éducation que j'ai reçue, je peux pas te laisser faire un truc pour moi sans te donner quelque chose en retour. C'est pas possible. Je fais une pub virtuelle si tu veux. Quoi? T'inquiète. Allô? Oh, ouais, non, c'est regarde, bon. Okay. Le service que tu lui rends en échange, c'est le jour où, tu vois, comment on appelle ça, le truc 3D de merde de Mark Zuckerberg, ce qu'il veut faire. Le multiverse. La métaverse, tu veux dire? Ouais, ce truc de merde. Bah, tu lui feras une pipe c'est là-dedans. Pas de la merde. Pas du tu tout. Tu lui feras une pipe là-dedans. J'ai 15 ans, c'est. Comment ça, c'est de l'exportation? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas de l'exportation. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est ce que c'est l'exportation? Ouais. Métaverse. Ouais, exploitation, oui, c'est mieux. À la limite, et encore, c'est plus de la pédophilie. Et ou du détournement de mineurs. Bah encore, ouais, non, t'as 15 ans, donc c'est de la pédophilie. Non, mais Eliane, t'as 14 ans, il le sait pas. J'ai 14, bien évidemment, j'ai 14 ans, c'est sûr, mais c'était sûr. Correct. Oui, mais au pire des cas, la JCMK, de toute façon, j'ai prévu de faire un Discord spécial pour les, pour par rapport à Twitch que j'ai. Je vais te tuer. Mais au pire, il y a du multiverse. Je sais Spider-Man le truc. Ouais, c'est ça. Mais oui, ce que je voulais dire. C'est qu'en gros, tu viendras sur le serveur Discord, on en discutera carrément, et comme ça, on se mettra d'accord sur ce que je te ferai comme etc. à côté, et si tu veux monter les trucs, oui, carrément. Mais je le ferai peut-être avec toi au début parce que ça m'intéresse quand même minimum, quoi. Là, c'est drôle, un gamin de 15 ans qui se moque d'un mec de 45 ans parce qu'il dit
Mal métaverse. Non, après ça va, le Discord je sais le faire, je suis handicapé mais pas à ce point là quand même. Faut pas abuser. Je sais le faire, t'inquiète pas. Non, par contre toi tu vas pas commencer hein. Arrête, t'as mal fait le fer, tu pourras pas le récolter, Eliane. Qu'est-ce que tu racontes? T'as un fer, il est penché vers le void. Non mais je sais, mais pour l'instant je fais juste le terrain. J'ai pas fini. Non mais ça tu joues, ça me crispe. Ah bah après oui, si tu veux faire un Discord, vas-y. Si t'as rien à faire que tu te fais chier, vas-y, fais. Mmh. Fais. Faut qu'il soit cringe le Discord. Non, arrête avec les... T'as vraiment des idées à la con, toi. Faut qu'il soit cringe le Discord. J'en peux plus. Arrête, Eliane. Alors, en plus, le mec, il est gentil, il va te faire plein de trucs. Alors que bah, il a pas entendu toutes tes blagues racistes que t'as fait dernièrement. J'ai fait aucune blague raciste. Arrête. Replay, hein. Quel replay? C'est toi qui les as faites. Non. Tu vois, voilà. Vas-y, si tu veux, tu changes. Mon tag Discord? Attends, tu l'as plus? Attends, mais. Tu es mort normalement? Non? Non, il t'a bloqué parce que tu cassais les couilles. Je te vois pas. Ah, mais parce que je suis en invisible. Regarde, hop, tu me vois maintenant. T'es censé me voir, mais voilà. Je reste pas trop longtemps comme ça parce que sinon il y a des gens qui viennent me parler, ça me saoule. Oui. Pendant que je suis en stream, c'est chiant parce qu'il y a les notifs, même si je peux me mettre en mode. En mode stream, bon. Voilà. Bah, moi, je me mets juste en ne pas déranger, du coup, j'entends pas les notifs. Oui, mais moi, je veux carrément. Parce que, oui, mais si tu es en mode de pas déranger, les gens, ils t'envoient quand même les messages. Oui, mais t'es en pas dérangé donc tu leur réponds pas. Oui, mais bon, si t'es en invisible, ils t'en envoient pas carrément. Ça dépend des gens, hein. Il y a des gens, je suis en invisible, ils m'envoient des messages. Ouais, bon, après, si aussi c'est Jérémiette du 59, non, psychopathe. C'est. T'es en live donc je vais pas balancer les blazes, mais. Vas-y. Non, pas en live, jamais en live. Mais en tout cas, avec ce que tu racontes depuis tout à l'heure. Non, même ça, si tu me vois, mais moi je te vois pas. Bah attends, mais il me semblait qu'on s'est. Que je t'avais sur Discord. Mais tu l'as pas ajouté, tu l'as bloqué, Alien. N'importe tu, quoi. Tu te rappelles pas, tu me fais. Ouais, il y a un connard, il me casse. Alors, non, moi personnellement, j'utilise pas le mot rateler pour ça. Tu. Non. Attends, mais qu'est-ce. En fait, je veux voir ce qu'il dit l'autre. JCMK ? Ah bon. Ouais. Là, je te vois pas, trois petits points, vois pas, envoie-moi un mécag si tu me vois. Mais je te vois pas l'autre. L'autre. Qu'est-ce qu'elle a celle-là? T'as fini un peu. Attends, il y a peut-être des anciens messages. Attends. Au pire, tu reçois juste le serveur War Selection. Tu regardes Eliane, le seul mec qui est en vocal, tu cliques sur son pseudo, tu lui envoies un message et c'est bon. Non, mais il veut plus retourner sur le Discord. Et il le rejoint, il le quitte. Pourquoi il veut pas retourner sur le Discord? Les gens t'ont traumatisé? Oui, si tu veux, ouais. Oui, bah oui, forcément. T'as vu le zoo qu'il y a des fois sur le serveur Discord? Bah, je sais pas, moi, j'adore ce Discord, surtout plein de personnes. J'adore les gens. Toutes les personnes sont absolument formidables. Ouais. La personne que je préfère le plus, où je suis le plus ami, c'est quand même Roro et Kyoshi et d'autres gens. Roro, encore ça va, ouais. Je trouve qu'il s'est vachement calmé comparé à avant. Donc maintenant, il est devenu super cool. Mais je pense qu'il était juste être sur les nerfs, c'est pas grave. Après. Moi, je lui ai pas parlé depuis 2 mois, je crois. Non, moi ça va, la dernière fois on a discuté, on a même rigolé ensemble tous, c'était sympa, c'est bien amusé. Je sais pas. Bah, ça arrive d'être mal luné. J'ai remarqué que sur le serveur, t'as aussi des trucs que je peux appeler des putabuzz. Genre. Putabuzz. C'est le genre de personnes, ils font un bête truc dans le jeu, genre vraiment de la merde, hein. Et ils font oh mon dieu, regardez ce que je fais, regardez tous en pingant sa mère. Et ça, je déteste encore plus. Ah oui, bah y en a plein ça. Non, putain, c'est bon, c'est moi, je t'ai accepté, JCMK. Hey, Eliane, t'as vu mon archer, il a tué un tank. Trop bien. Je suis trop fort, hein. Ah, je sais de qui tu parles.
J'ai capté. Non, mais je sais. Oui, non, mais alors c'est pas sa faute. Pourquoi c'est pas sa faute? Et parce qu'il a une maladie. Ah. C'est pas sa faute, le pauvre. Là, ça, je veux pas le blâmer parce que vraiment, il y peut rien. Ah, mais ça faut le dire aux autres. Moi, je le sais pas. Ça commence par un J, c'est ça? Mm-hmm. Oui, bah, c'est ça. En fait, il a une maladie et c'est vraiment pas sa faute. Et alors, des fois, c'est pas facile à supporter, ça, je l'admets. Parce que moi, déjà, j'ai du mal avec les gosses. Donc, forcément, quand tu fais ça, c'est le même principe qu'un gosse. Donc, voilà. Mais vraiment, en fait, je l'ai appris en jouant un peu plus avec lui. Et en fait, il a un souci. Oui, mais même. Alors, non, mais alors déjà, je l'ai deviné parce que ça se voit et que j'ai l'habitude parce que mes parents, enfin, mes deux parents sont handicapés. Sauf moi. Mais du coup, voilà. Et même hormis ça, après, on en avait discuté. Non, mais alors, moi, la connerie n'est pas un handicap en soi. Mais oui, en fait, c'est pas de sa faute du tout. C'est juste que voilà, il a un handicap, etc. Et c'est quelque chose qui est pas facile à surmonter, surtout le handicap qu'il a. Mais après voilà, c'est... Ah ouais, d'accord, tu vois, ça je pensais pas. Mais tu sais qu'il y a plein de gens, il y a plein de gens qui ont des handicaps et dans le serveur et on le sait pas. Moi je suis au courant de quasiment tout parce que je parle avec tout le monde, je m'entends avec à peu près tout le monde. Bon, de toute façon quand il y a des gens qui me saoulent, je parle pas avec eux donc mais de base, je m'entends un peu avec tout le monde donc forcément je connais, j'ai un peu les potins de tout le monde hein. Je sais même qui est-ce qui n'aime pas qui. Moi de toute façon, moi c'est facile à deviner, j'aime pas tous ceux qui parlent trop. Ah, donc tu m'aimes pas. Non, toi ça va. Ah, je déteste les gens qui ont les micros forts et qui parlent pour rien dire. Ah oui. Ça, c'est genre les mecs, comment expliquer ça? Genre ils sont dans le vocal, t'es en pleine game et ils te conseillent de faire des trucs mais que tu fais déjà. Ah, c'est Bouddha. Bouddha et l'autre, comment il s'appelle là? Putain, j'ai oublié son nom. Attends, Malice quelque chose. La Malice. Ou je sais pas comment il s'appelle. Twillion. Oui. Bah lui aussi il a un handicap. Ah. C'est pas sa faute non plus. Tu vois. Et c'est pour ça que je te dis, en fait le problème c'est que moi je me permets plus trop juger gens sur le serveur parce que vu qu'il y en a plein qui en fait tout le monde a des handicaps. En fait j'ai l'impression qu'il y a que les handicapés qui jouent à jeu pour des médecins. Arrête-toi. Non mais... T'es vraiment horrible, t'es vraiment une horrible personne. Ça. Non, mais. C'est pour rigoler. Mec, qui est ignoble, quoi. C'est... Non, mais en fait, c'est juste le fait que ça se remarque pas tout de suite, en fait. Non, mais parce qu'après, il y a des handicaps qui sont discrets, et puis forcément, vu que t'es pas en face, etc., voilà, c'est. Je sais pas, moi d'habitude, j'ai juste plus côtoyé les gens, comment on appelle ça. Tu vois, quand ton esprit reste bloqué vers 13, 14 ans, enfin. Ça s'appelle un enfant. Non, mais. Je suis nul dans tous les jeux, je sais plus qui c'est qui ça. Allez, ça s'appelait comment? Trisomie 21. Ça, c'est une maladie aussi. Ouais, et moi, j'ai côtoyé que des gens qui avaient cette maladie, sinon les autres maladies mentales ou autres, je connais pas trop. Bah, après, moi, j'ai ma mère qui a... en fait, bah, en gros, dans ma famille, je préfère, c'est une grande famille d'handicapés. C'est malheureux de dire ça, mais c'est vrai. Et en fait, moi, j'ai les deux parents qui ont un handicap physique. Ouais. Donc, un, s'il fait trop de... Enfin, s'il force trop sur le ventre, il s'éventre. Et l'autre, il peut plus marcher. Donc c'est pas terrible. C'est un peu horrible. Ça peut paraître une question vraiment bizarre, mais c'est arrivé après ta naissance ou avant ta naissance? Après. Les handicaps. Ok, je me disais bien, parce que sinon je me demandais comment t'étais né. En fait, ma mère qui a un handicap physique sur les jambes, si tu préfères, elle a... alors ça s'appelle la sclérose en plaques. Tu connais? Ok, ouais. Voilà, tu dois savoir à peu près à quoi ça... Si tu connais, tu dois savoir à peu près ce que ça fait. Elle a ça, sauf qu'elle est au stade, elle est à un stade assez avancé maintenant. Donc elle a des traitements expérimentaux, etc. Mais bon, voilà, on n'a pas de, ça reste incurable. Hein. Et là, pour l'instant, ben voilà, elle a dû partir en campagne pour s'acheter une maison plein pied parce qu'elle est plus capable de marcher dans les escaliers. Et tout ça, c'est plus possible. Et elle est en fauteuil roulant. Ouais. Voilà. Et mon père, lui, par contre, il a eu un problème au ventre dû à un intestin inversé. Ah, ok. Voilà. Bon. C'est-à-dire que ton intestin, le côté A il est en haut, le côté B il est en bas, bah, lui c'est l'inverse. Et il se peut que j'ai la même chose, mais moi je le sais pas encore, je vais le savoir que quand j'aurai des problèmes. Mais tu peux pas le vérifier avant? En fait, si, mais pour le vérifier, il faut qu'il t'ouvre. Est-ce que j'ai envie de me faire ouvrir pour vérifier? Pas vraiment. Est-ce que t'as envie. Mais s'il vérifie maintenant et qu'il te soigne avant? Ils peuvent pas te soigner, parce qu'en fait ton corps s'est adapté au fait que ton intestin soit inversé. Ils peuvent pas te soigner, si, c'est pas possible. Et s'ils inversent tout, il se passe quoi?
Mais t'es au courant qu'un être humain, c'est pas un jouet, tu peux pas l'inverser comme ça. Arrête. Parce que la modification se fait jusqu'au cerveau, c'est-à-dire que ton cerveau, il est habitué à dire, bah du coup, c'est inversé, donc je fonctionne à l'envers aussi. Donc si tu refous à l'endroit, ton cerveau va bien comprendre, il va faire de la merde aussi, c'est pareil. En gros, il faudrait te refaire complètement à zéro, quoi. Ouais. Donc c'est pas trop possible. Ils peuvent pas juste foutre un tube en plastique dans le cul. Non, mais je sais pas. Ça s'appelle une coloscopie, ça. Je sais pas, ils te foutent un fond intestin. Non, je sais pas si ça existe. Je sais qu'il y a des faux cœurs qui commencent à être créés, donc... Bah, ça commence pas, c'est... Ça existe. Depuis quelques temps maintenant, puisque mon arrière-grand-père, d'ailleurs, paix à son âme, parce qu'il est mort récemment. Mais lui, il avait un pacemaker. Ouais. Alors ça, c'est plus une pompe qu'un cœur, mais bon, tu me diras, mais en fait, c'est con, parce que... En fait, un cœur, c'est une pompe. En fait, un pacemaker, c'est surtout ça te fout une décharge aussi, non? Alors, tu as deux choses. La première, c'est que ça reproduit enfin, du moins de ce que je savais, de ce que m'avaient dit les médecins. Ça reproduit, en fait, la pompe du cœur. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que ça comble les problèmes qu'a ton cœur pour faire voyager ton sang dans ton corps. Mais, si jamais tu as un arrêt cardiaque, pas tous les pacemakers, mais certains pacemakers peuvent t'envoyer une décharge. Mais par contre, ça marche qu'une fois. Ouais, après, faut le changer. Normalement, oui, mais bon, non. Ça coûte cher. Ouais, un peu, ouais. Tu peux beaucoup, même. Du coup, ça devient vite compliqué, quoi. Pourquoi t'as fait un mur qui est fermé ? Parce que après, je vais réouvrir, mais c'est juste plus simple. Ça, je vais me faire chier, quoi. D'accord. Hop. Tac, 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 tac. Mais du coup, voilà. Mais tout ça pour dire que dans le serveur, il y a énormément de gens qui ont des handicaps. Et qui sont malheureusement dans l'obligation d'être comme ça. Alors des fois tu peux dire qu'ils sont cons, je l'admets hein. Des fois, rien de tout le temps. Tout le temps je m'entends super bien avec lui, je fais beaucoup de streams avec lui, je me suis beaucoup amusé avec lui. Mais des fois je lui dis mais t'es con. Mais c'est pas méchant, c'est juste pour dire bah voilà, t'es chiant, voilà c'est tout, c'est pas grave. Mais ça n'empêche que des fois voilà, tu tapes quand même des barres avec eux, tu rigoles, tu t'amuses, voilà. Ça reste quand même des êtres humains, quoi. C'est pas des monstres, pas tous. Du coup là, voilà. Oh, c'était le moment un peu c'était quoi, coup de gueule on va dire. Hey, t'as fait crash mon PC mon ref. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas, mon PC s'est éteint d'un coup. C'est en soutien à mon papy et à tous les gens un peu handicapés qui a sur le serveur. Ouais, je pense que le serveur m'a hacké mon PC et m'ont fait non tu arrêtes. Tu ne parleras pas aujourd'hui avec Eliane. C'est interdit bon, aujourd'hui. Heureusement que mon PC se redémarre en 12 secondes, sinon j'aurais pété un câble si j'avais mon ancien PC. Tu m'étonnes. Heureusement que ça existe, les SSD M. Tu sais quoi, tu fais un placement de produit, c'est ça? Attends deux secondes, voilà, j'ai remis mon casque. Tu disais? Tu fais un placement de produit là, c'est ça? SSD machin. Ouais, mais c'est pas une marque, c'est juste. SSD. En fait, c'est un SSD que tu fous directement dans ta. Oui, je sais. Je sais, t'inquiète. Et que c'est efficace, putain. Je suis d'accord. Oh putain, le HDD que j'avais avant mon PC. Oh, c'est ignoble, 55 hein. Secondes. 50 secondes. Moi, je sais pas combien de temps il démarre mon PC, mais je sais que c'est extrêmement rapide. Bah, je sais pas, moi j'ai eu le temps de crash, il a fait une analyse de l'erreur pourquoi il a crash, qui a duré, je crois, 5-6 secondes. Je suis allé sur Discord et il s'est rallumé, ça va. Oui, donc effectivement, oui, ça allait, quoi. Il m'a pas laissé finir ma phrase. Bah non, pourquoi faire? En même temps, j'ai failli peut-être dire une connerie, je suis pas sûr. Ouais, donc voilà. Mais bon, là, les défenseurs, ils ont assez de place quand même, non? Attends. Est-ce que j'ai plus accès à ton stream, du coup, vu que ça crash? Ah, oh, bah oui, c'est pour ça que j'en ai plus que 6 des spectateurs. Bah dis donc. Bah bravo. Bah je suis quand même content de les avoir. Personne dans le chat. Bah c'est malheureux, ouais, que les gens ne parlent pas beaucoup. Il y en a 6, c'est des bots. Quoi? C'est pas vrai. Imagine toi, c'est des bots. Ah juste putain, je serais très triste. Non, mais après ça. Non, mais que ça soit des potes, ça me dérange pas. Mais non, il lance ton stream et il se casse. Ça, genre, imagine toi, il lance ton stream, il mute le stream et il se casse. Genre, il regarde pas, ils te font juste un viewer de plus. Ça a aucun intérêt.
Mais oui, bah, de toute façon, c'est à toi que j'avais refusé. Tu voulais mettre des bottes ou je sais plus qui c'était qui voulait mettre des bottes sur le. Non, j'ai dit je peux te mettre des bottes, mais je veux pas le faire. Ouais, mais moi je t'avais dit de toute façon, moi je veux pas. Ça m'intéresse pas. Oui, mais de toute façon, si je le fais, mon PC va crash. Pourquoi ? Parce que j'arrive pas à optimiser le logiciel. Parce que t'es nul ! Non, c'est parce que j'en ai marre de fouiller dans le code. Parce que t'es nul. Non, ça va. Si. C'est pas une question, tu sais. Bah, c'est pas une question et c'est pas... Comment on appelle ça ? Une affirmation. Pour moi, oui. Bah, pour moi, non, parce que je l'ai fait en... un mois et demi de connaissance, le truc. Ça va. Quoi, le logiciel ? Ouais. Enfin, c'est plus... Allez, c'est pas réellement un logiciel qui fonctionne entièrement, tu vois. C'est genre vraiment, ça t'ouvre le CMD, tu fous un lien dedans. Ouais, c'est juste... ouais, enfin, c'est... C'est une commande plutôt que t'as créé. C'est plus une commande, mais en gros, ça utilise les emails que tu stockes. Mais par contre, ça arrive pas à créer de compte. Tu dois créer les comptes toi-même. Bah, t'es nul. Ouais, mais ça, tu peux pas créer de compte automatiquement Twitch. C'est chiant. Non, parce qu'il y a des. Bah, non, t'imagines sinon. Twitch serait harcelé de compte. Ouais, t'es obligé de créer à la main, tu vois. Alors que Facebook. Déjà Facebook, les vues comptent même si t'as pas de compte. D'accord. Du coup, pour booster les vues de quelqu'un, c'est ultra simple. Bon, après ça n'a aucun intérêt parce qu'au final tu te retrouves quand tu fais. Mais avoir des bots sur sur Twitch, ça sert à rien parce qu'au final bah. D'accord, t'as 3000 personnes qui. Enfin, t'as 3000 vues, mais au final, dans les 3000 vues, t'en as 2950 qui sont des bots, donc aucun intérêt quoi. Ouais, mais ça se remarque en plus. Par contre, tu t'es reconnecté à Twitch ? Ouais. Pourquoi il y a deux spectateurs supplémentaires ? T'as deux comptes en même temps qui sont. Non, j'en ai que un. Comment ça se fait que j'en ai deux supplémentaires ? Bah, je sais pas, moi je suis reconnecté depuis un moment. Ah ! Je pense qu'il y a des gens qui t'espionnent, c'est tout. Incroyable. Ils disent rien, ils te regardent faire des maps. Bah, tu je suis sûr que c'est des putains de japonais ou de russes qui font. Que fait-il ? Laisse-les, si ça les amuse, si ça leur plaît. Écoute, moi peu importe d'où ils viennent, tout bon que ça leur plaît. Ils peuvent venir même de, je sais pas moi, de Mars s'ils veulent. Ah, on fout. Mais c'est pas possible. Oui, non, c'est pas possible. Le mec qui le prend en premier degré. Non, au secours, il est trop bête. Mais Léane, mais tu es con, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas la vie sur Mars. Mais par contre, il y a de l'eau. Il n'y a pas internet sur Mars. Ouais, non, voilà. Enfin, logiquement, il y a peut-être moyen de capter. On sait pas. Pas encore, mais avec le truc qui fait Elon Musk, peut-être. Et je m'imagine, tu captes le wifi partout sur Terre avec 5 barres. Et après, tout le monde creuve du cancer du cul. Mais je me marre à des trucs, mais. Mais j'ai honte. J'ai honte de me marrer à ça. Je sais pas comment tu fais, mais t'inquiète. Mais je sais pas, mais je suis trop bon public, je pense. Je sais pas. Non, mais toi, tout peut fonctionner, je pense. Mais il y a tout qui me fait rire, vraiment, c'est. C'est incroyable. Même les jeux de mots de merde ? Surtout les jeux de mots de merde. Oh putain. Ah non, mais vraiment, tu te rends pas compte à quel point des fois je peux rigoler pour de la merde, hein, vraiment. C'est... Attends, tu connais McFly et Carlito ? Non, bah qui les connaît pas ? Non, mais y a des gens, j'ai demandé, ils connaissaient pas, donc... Ah. Bon. T'as vu la dernière... Non, c'est pas la dernière... Fais gaffe, parce que moi ça doit faire presque un an que j'ai pas regardé les vidéos d'eux. Mais je sais qui c'est. Oh, c'est triste. Ils ont fait une vidéo où il y a le gros McFly, là. Il le gros. Fait sortir des jeux de... Ouais, faut préciser. Il fait que ces jeux de merde. Il fait que des jeux de merde. Livre. Ouais, il fait que de la merde. Il dit que de la merde. Attends, faut que j'aille regarder et que je t'en sorte une pour te dire à quel point c'était nul. Si je me marre, j'ai honte, c'est ça ? Ouais, je sais pas, j'ai pas rigolé une seule fois à la vidéo. Ah oui ? Mac. Ah, donc moi j'ai trop d'humour, toi t'en as pas assez quoi. Moi j'ai pas le cerveau pour. T'as pas de cerveau, c'est normal. Attends.
Alors là c'est bon, là c'est bon. Du coup la vidéo était sortie quand? Donc on lisse les bords. Mais attends, elle était là la vidéo? Elle a disparu? Attends, j'ai regardé une vidéo hier et je la retrouve plus. Peut-être été supprimée parce qu'elle a pas marché hein. Par contre, hop. Bah en fait, il a fait une vidéo où il fait en mode ouais, si je veux que mon gosse ait des cheveux longs, gna 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 et tout. Et juste après, il y a eu cette vidéo là, mais il y a la vidéo du gosse, mais il y a pas la vidéo que je regardais hier. Tac. Tac. Et tac, alors toi. Historique. Bon. Historique. Oula, l'historique, attention. McFly. Doc. Hop. Bah voilà. J'aurais fini les bases, au moins du truc. D'ailleurs, JCMK, sur War Selection, tu as toutes les nations, toi? Ou pas? Alors, je te demande comme ça au passage, parce que bon. Non, mais t'inquiète, t'as toutes les nations, toi, ou pas sur War Selection? Non. D'accord. Non. Ah, ok, bon, ça va, JCMK. Mais du coup, je verrai avec toi un autre truc aussi, ça m'arrangera. Parce qu'en gros, Nomataka, si tu préfères, j'avais parlé, je crois que t'étais là quand j'ai parlé des drops de nations. Ouais, tu peux tout me donner. Non. Mais. Non, ouais. Bah non, parce que je suis en train d'en récupérer, d'en farmer pour. T'en grattes partout quoi. Non. Mais c'est pour Twitch que je les grave. Je sais, j'ai compris. Mais du coup. Le mec, il est tellement investi. T'as perdu un viewer en disant ça. Non, deux. T'es à 8, t'es à 7. Moi je me vois à 6 là. Ah, moi je vois à 7 et à 2h15 de live. Ah oui, exact. Bien vu l'aveugle. Ah, maintenant 6. Ah tiens, je t'ai dit. Là, t'as perdu dans... 2 personnes maintenant. Mais en soi, on est 7 parce que sur YouTube aussi y en a. Attends, sur YouTube, tu streams YouTube? Je stream Twitch et YouTube en même temps. Je suis tout de ma gueule. Non, c'est vrai. Yann, tapez ton pseudo, je te vois pas. Parce que c'est pas deux i, c'est un seul i. Sur YouTube. Mais même, j'écris Elian avec un i, je tombe sur poisson fécond. Bah attends, tiens. Attends, partager, copier. Attends, attends, voir. Sélection live. Oh. Voilà. En gros, même en écrivant voir sélection live, on tombe pas sur ton live. C'est normal, j'ai 0 vidéo presque dessus sur ma chaîne YouTube. Donc c'est normal que. La seule vidéo que j'ai, c'est une vidéo à la con que j'ai essayé de faire pour tester des trucs et c'est ridicule. Donc bon. Pas s'attendre non plus à grand chose quoi. Oh, le décalage entre YouTube et Twitch, il est énorme. Ouais, ouais, mais pourtant, j'ai tout bien réglé. Hein. C'est juste, de base, il est gros, quoi. En même temps, YouTube. Voilà, bah, c'est quoi. YouTube, quoi. Du coup, on lance une game ou on fait ouh, quoi? Oui, parce monsieur. Ça va, ça va, il va se calmer, lui. Bah, tu veux te battre ou quoi? C'est parce que... Release, copier, hop. Nouveau document texte. Bon, je me rappelle que du début du jeu de mots, c'était que fait un pizzaïolo quand il a des sous-vêtements propres. Et la fin, je m'en souviens plus. Ce qui est le plus important, quoi. Ouais. Super. C'est la chute. Attends. Non, je sais que la vidéo a commencé et que le premier mec est sorti parce qu'il a lâché un paix et il a rigolé. C'est super. Mais ils sont intelligents les gens. Je suis MK qui me fait mourir de rire. le nom du serveur. Ouais,
The best streamer in the world, qu'il a mis. Qu'il a mis. Et il a dit, j'ai pas fini. Oui, je sais. T'inquiète pas, je non, peux voir. Non, mais viens, mais t'as qu'à fusionner ton serveur avec celui-là de Ponce. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Non, vous faites un serveur commun. Tu vois, comme si tu gagnes des viewers en plus. Mais tu sais, il y a un joueur, j'ai oublié son pseudo. Mais qui avait joué à War Selection pendant un moment. Ouais. Genre Polak lui avait donné de l'argent sur Twitch, il a fait, hé, hey, teste ce jeu. Et il y avait joué. Sérieux? Ouais, mais j'ai oublié son pseudo. Et il a plus jamais retouché. Et il a dit, il attendra que le jeu soit un peu mieux. Enfin, fini. Elden Ring. Oh, Ponce qui joue. Oh, ce jeu de mort. Moi, je peux pas, je pèterai un câble dessus. Je pèterai trop un câble dessus. J'ai pété mon clavier en jouant à CSGO, c'est encore pire. Il a des taureaux, il... Tac et squad, copier-coller, hop. Tiens. Alien. Oui. Attends, est-ce que toi aussi, quand tu finis ton stream, tu peux rediriger tes viewers sur le stream de quelqu'un d'autre? Oui, je peux. Commence à faire des raids sur les lives de Ponce, à chaque fois que tu finis. Pourquoi faire? Peut-être un jour, il va te remarquer, il va faire l'inverse. Ça m'étonnerait. Ce serait marrant. T'es con. Non, parce que j'ai déjà vu des gros youtubeurs raid des mecs qui ont rien. Oui, oui, mais il y en a qui le font, mais bon, c'est rare, quoi. Et il faut avoir un peu plus de contenu, quoi. Non, il y a Gotaga, une fois, il a raidé un mec qui avait un viewer, il en avait rien à foutre. Oui, mais il faut avoir un peu plus de contenu. Ouais. Mais tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Non. Il a cliqué sur un mec, il a cliqué sur Just Chatting, il a scrollé, ouais. Il est tombé sur un mec. Il a scrollé fait... Non. Oh, oh papa. Oh non, pas lui. Non, je rigole. Comment tu vas? Comment ça va, Papounet? C'est pas fou. tu veux... Vous êtes en game ou pas? Pas encore, mais on allait en faire une. Petit tag of war? On peut jouer 4-3? En 1v2 là maintenant. Je vous prends en 1v2 là. Ah bah non, on va faire un 2v2. C'est qui est là? Je t'en trouverai. Ton pote. Je t'en trouverai. Ah, tu me retrouveras. Petit tag of war, les gars? Pourquoi pas, comme vous voulez. Hein. Moi, ça me dérange pas. Non plus. Je vous prends en 1v2. Je vous prends. Gna gna gna. On sait que tu as gagné, on est au courant, hein. T'inquiète pas. Diablo, femme de pizza. T'as installé? En sélection FM. Toujours que les... Pizza, arrête. C'est quoi ce pseudo? Non, mais... Qui c'est qui a le pseudo à la con, là? Pizza, t'es sérieux? Mais c'est Mia Khalifa. Je sais pas, elle jouait au jeu vidéo. Non, mais... Tu sais qu'on joue à Feudal Ledger avec un pote, et il s'appelle comme ça, tu vois, sur le jeu aussi. Et il a cru qu'il était là, pourquoi il y a mon historique internet qui s'ouvre? Comment est-ce que tu peux gagner en étant tout seul? Ah oui, mais je suis con, de toute façon, même en étant tout seul, c'est comme si t'étais, comme si on était deux. Non, mais logiquement, vous devez gagner parce que vous avez la diversité. Non. Ça dépend, tu joues Allemagne, Grosse Bertha, bon... Ta diversité, y'en a plus, hein. Mais faut pas voir les choses comme ça, enfin... Non, mais parce que je la connais, t'inquiète pas, j'ai joué Allemagne déjà une fois. Je le sais très bien, hein, comment ça marche, l'Allemagne. Hein. Je sais à quel point c'est fort, t'inquiète pas. Hein. Oui. Non, mais en 1v2, l'Allemagne, c'est pas ouf, hein. Pourquoi les putains de Slinger vont encore à corps avant de tirer? Parce qu'ils sont noirs. Allô? N'oublie pas qu'on est sur Twitch et que je vais avoir des problèmes. Ouais, c'est justement pour ça que je me suis calmé un petit peu. Regarde, ils vont venir au corps à corps. Ils vont au corps à corps. Mais quelle bande de... Pour ce que tu viens de faire, je te déteste. Mais t'inquiète, dis rien pour le moment. Oh, ça me fait beaucoup rire. Oh, Pizza qui a 20 secondes de retard sur sa première maison. Par contre, Alien, pose tes maisons bien au fond, s'il te plaît. Parce qu'après, à l'IR, ça peut bloquer nos troupes. C'est chiant.
Ouais, je pense pas qu'on ira jusque là quand même. Non. Pourquoi ils vont plus au corps à corps? Revenez au corps à corps les frondeurs. Ça marche bien. Allez, au corps à corps. Au corps à corps, vous êtes plus fort, vous pouvez frapper avec vos lacets. Avec vos lacets. Je les vois bien taper, tu sais, les massues, tu sais. Tiens, ton nom est Théo. Non, ton nom est Puanteur. Puanteur. Non, mon nom n'est pas Puanteur. Mon nom est Théo. Je suis en train d'écouter là comme conversation, par contre. C'est le problème quand t'es sur Discord avec des Belges, mon gars. Ah, les deux. Ah, non, je suis pas belge, moi. D'abord. Ouais, Yann, il est pas belge. Je suis ouais, pas belge. Je suis pire que ça, moi. Je suis roumain. Moi, je suis au niveau de Marseille, ah, si tu veux. Attends, t'es au niveau d'où? Marseille. On va être pleuré. Hein. T'inquiète, oh, pas. Pauvre. T'inquiète pas, je suis pas marseillais là-bas. Je suis là-bas, j'ai pas le choix, c'est tout. Ah oui. Ça va, ils sont pas trop cons, les gens. Oh, c'est une longue histoire, hein. Comment dire que bon... C'est pas qu'ils sont cons, c'est qu'on vit pas dans le même monde. Mec, ça aura toujours Robin qui est parti à Aix-en-Provence et qui maintenant se prend pour un sudiste alors qu'il est normand à la base. Oh, le changement est radical, hein. T'as par contre vraiment les frondeurs, que ça soit en Tug of War ou en normal, ça reste fort. Hein. Sinon ça va, pizza? Il m'a tapé. Ok. 29 secondes. Incroyable. T'es trop fort, mec, arrête. Non mais en fait, à chaque fois je regarde quand il pose ses maisons. Non mais sans déconner. Ouais mais en attendant, regarde. Il prend du retard sur les maisons, mais il prend l'avantage au centre. Parce que les 10% sont plus worse que les maisons. Enfin, qu'une maison supplémentaire. Ouais, je sais bien. Mais du coup, fait, il a raison. Les 10% parce que on spam chacun notre tour. C'est con. Enfin, c'est parce que nous, non, on a fait plein de massues et que lui, il a fait full frondeur. C'est parce que vous êtes en train d'écho, c'est tout. Maintenant, j'écho pas du tout, mon ref. Non plus. Je suis à 40 frondeur. Moi, genre. Écho, je pense pas. Mais du coup, Pizza, toi qui connais les méta du coup sur le jeu entier. Le fait de passer d'âge, enfin pas sans passer en indus direct, maintenant qu'il y a les maisons, enfin, niveau, vu que les maisons ont changé un peu de mécanique, est-ce que c'est mieux ou est-ce qu'il faut vraiment attendre quand même l'indus ou vraiment particulièrement un âge? Bah en fait je pense que ça avantage le fait de se stacker, de rester à un âge qui est juste avant les nouvelles maisons, genre âge de fer, enfin d'avoir une armée de l'âge de fer, d'avoir une armée du Moyen-Âge tardif. Parce que en étant à ces âges-là, tu peux genre passer l'âge, faire tes maisons en ayant l'armée de l'âge précédent, tu vois, ce qui n'est pas le cas à l'âge de bronze et au premier Moyen-Âge. D'accord. T'es pas sérieux, JCMK là. Et oui, je suis avec. Oui, on est avec. Je suis avec le vrai pizza. Oui, oui, le vrai, le seul, l'unique, le beau. Est-ce qu'il a son skill? Non mais. Tu peux être con des fois sans déconner. Pizza, quelqu'un il demande si tu vends ton skill et pour combien. Ah. Par contre, on en parle. C'est quoi ça? Pardon? Notre armée qui essaie de passer par au-dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Pourquoi mon armée elle va là? Je sais pas. Déjà, demande toi pourquoi il va perdre ses 10%. Ah oui? Ah bah non. Pas encore. Oh bah non, c'est pas parce marrant. Que, oublie pas, un frondeur ça compte pas, mais un éléphant qui est pas au milieu, ça te donne les 10%. C'est vrai. Oh, et mon frondeur a battu le sien.
Pizza, dis-toi, on a fait une game où j'avais le milieu de la map. J'avais pas le milieu de la map, mais j'avais les 10% parce que j'avais un éléphant qui passait et lui il avait full armée qui passait, mais c'est l'éléphant qui me donnait les 10% quand même. Du coup, ça vous a trop avantagé le fait que ça aille en haut. C'est j'étais en énorme supériorité numérique au milieu, je le sais. Mais après, ça nous avantage temporairement parce que quand tes unités vont arriver par en haut, là ça va être plus chiant. Faut que j'allume mal. Hop. Par contre, c'est moi ou tout est frondeur, ils sont en train de faire des allers-retours, je dis. Oui, bah oui. C'est waouh. L'avantage. Hein. C'est bien War Selection. Oh, j'ai enfin un accro, je dois plus cliquer pour mes maisons, c'est parfait. Ça, c'est de la triche, ça, par contre. Ça clique juste à ma place toutes les 1 minute. C'est moi ou son armée va commencer à passer par en dessous après? Oui, oui. Moi je me rapproche là en vrai. Ce n'est que temporaire, mon cher. Ce n'est que temporaire. Déjà vous. Ils vont où? Ils font quoi? Ils vont passer par en dessous. Qu'est-ce qu'ils font? Ben ils vont contourner toute l'armée de pizza. A voir. A voir, à voir. Non mais tu sais, ce qui est marrant, c'est que là, il a même pas besoin de faire l'âge de fer. Pour contrer ça? Il a rien à foutre. Ouais. Pourquoi? Attends, sur cette map, c'est peut-être possible. Mais je sais pas, tant que je passe pas d'âge, je sais pas dire si c'est possible de le compter sans passer d'âge. Parce que ça part tellement bêtement ces trucs, c'est débile. Voilà, j'étais sûr qu'il allait faire ça. Regarde ce qu'il a fait. Oui, il est passé Moyen-Âge. Ça paraît logique, mais bon, au moins on gagnait du temps. Autre chose que des enrames hein, aussi. Oui, mais bon après. Le problème c'est qu'en tardif de l'Europe, bon, par les légionnaires, ah c'est un peu de la merde quoi. Pas se le cacher. Ouais. Après si tu pars ça, c'est vachement intéressant par contre que tu partes ça. Hein. Ouais, mais après, est-ce que j'ai l'argent, monsieur? C'est ça la question qu'il faut se poser. J'espère. En tout cas. Il a plus les 10%, et ça me plaît. Mmh. C'est vraiment débile par contre. Ils ont vraiment fait n'importe quoi avec les béliers pour que. Enfin, qu'ils courent comme ça, enfin qu'ils roulent comme ça, c'est une débilité. Non mais en vrai, si tu spams ça, normalement j'ai le temps de tenir et pouvoir faire ce que je veux. Bon bah, je te fais confiance. Allez. Au pire, s'il se rapproche trop, je fais quelque chose, c'est pas grave. Fais quelque chose. Ouais, on a les 10%. Là, ça m'arrange. Bizarrement, ça m'arrange, vraiment. Pourquoi ils tracent pas tout droit, par contre, ces imbéciles? Par contre, il me faut rire parce qu'il passe par en dessous, du coup, ces catapultes vont descendre par en dessous après et ça va encore plus bloquer. Bah, ça va me niquer ça. Bah, ça gagne juste du temps, ça passera jamais, mais ça gagne du temps. Et on a les 10%, c'est tout. C'est la seule utilité des béliers. Ah, non, j'ai rien dit. Attention, le bélier dissident qui a décidé de passer quand même.
Ah oui, là, imagine toi, ils foncent sur les maisons et pas sur le temple. Par contre, sans déconner. Ah, pizza, heureusement que ça fait tes maisons au-dessus. Hein. Pardon, parce que, pardon dessous, tu les aurais fait au-dessus, ils seraient allés sur le temple. Ah, il sort du launch neck, enfin du squad. C'est pas grave. Il sort du squad. Il fait des squads. Putain, c'est... Bon, ça va, du moment qu'il passe par au-dessus, pour le moment, c'est drôle. C'est moi ou tu... Je sors rien, là, dans mon taquin. Ouais, je me branle. Non, il sort rien, quoi. En fait, y'a que moi sur le terrain, là. Oui, oui, c'est le but. Ça t'empo tellement cette merde. Je vois. Ouais, mais avec Scylla, je suis pas sûr que ça soit ouf. Hein. De quoi? Mais est-ce que t'as sorti? Je suis pas sûr que ça soit ouf avec Scylla. Hein. Oh, c'est un bordel avec ces catapultes et les squads là. Je te dis, t'inquiète. Il y en a partout. Je te rappelle, Eliane, c'est exactement ce que t'avais hier et ça te faisait quand même chier. Oui, Beeper, on joue bélier. Mais on est contre pizza, faut nous comprendre aussi. Oui. T'as, mais pourquoi tu fais demi-tour, l'éléphant? Comment c'est, il fait demi-tour? Ah, ils vont où? Ah, mais parce que c'est bloqué. Bon, nombre de catapultes qu'il y a, par contre, ça devient abusé. Bah, il en sort pas beaucoup, il stack. Ouais, mais je sais. Et si tu regardes ce qui va sortir dans 2 secondes, ok, il en sort beaucoup, j'ai rien dit. Non, ça va, franchement. J'ai vu pire. Hein. D'accord, ok, je vois pourquoi t'as écho, ok. Je viens de comprendre. Oui. Mais du coup, Ah, et du coup, après, ce sera rentable. Et toi, tu pourras directement passer... Oui, est-ce que je veux faire? Ok, ça va. Après, pour le moment, tu peux laisser tes béliers, c'est très chiant. Bah, c'est le but. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Voilà. Ouais, moi, j'attends juste un truc, ok. C'est sûr. Pourquoi tu sors... Attends, tu sors carrément des cavaliers archers? Qui? Pizza, il sort des cavaliers archers. Ben, s'ils arrivent à passer à travers des éléphants, ça peut être chiant. Hein. Après, Pizza, il adore les 1v2. Avoue-le, Pizza, t'adores ça. Ce qu'il préfère, c'est 1v2 sa meuf et sa meilleure pote. Oh, arrête. Ça va finir un peu. Mais c'est la pure vérité, il a dit lui-même. Tu vois, si ça aurait été faux, il m'aurait dit ta gueule. Il l'a pas fait. Ta gueule. Ah, non, voilà. Là tu le dis pour contrer mon argument. Ouais, tu te serais énervé bien plus tôt. Je t'écoute et je suis souri, c'est tout. Genre, tu vois, ça me fait rire. La bêtise humaine, ça reste rigolo. Ouais, bien sûr. Là, en fait, il faudrait que je mette un timer quand on start une game pour savoir à quel moment il peut être hier. Mmh.
Parce qu'à chaque fois, t'en sais... tu sais pas à peu près. Bah, vu qu'il sort rien, je pense que. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il en sorte plus que ça, des trucs. Du coup, je oui, pense bah, que. Oui, c'est vrai que je suis tout armé. Bah, c'est pour ça que je vous pêche, d'ailleurs, parce que je sors rien. Non, non, mais si, mais tu sors pas non plus. Enfin, tu augmentes pas non plus tant que la taille que ça, non, quoi. T'en augmentes plus la taille depuis un moment. Tu connais le prix des squads et des catapultes? 50. Les catapultes. Ce qui n'est pas cher pour le nombre que t'en as fait. C'est quoi le prix d'un bélier? 50. C'est 40. Non, 40. 40. Et le prix d'un éléphant? 60. Et j'ai beaucoup plus de catapultes que toi d'éléphant. Arrête, t'as moins de catapultes. Je vois, sur le terrain t'en as plus, mais t'en sors moins. T'en sors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, c'est une ignominie par contre, les béliers. Oh, horrible. Hein. Au moins, on a trouvé dans quel mode de jeu il servait à quelque chose. Après là, je pourrais jamais récupérer les 10% vu que vous avez le checkpoint. Non, arrête. Non, pas. Bon, est-ce que je suis gentil Non. Ah, non ? Ah, d'accord. Bah, tu upgrades tes 5 maisons pour le moment. Oui, t'auras c'est en cours. Hein. Ah, le problème, c'est pas l'argent. Non, le problème, c'est le talent. Non, le problème, c'est le temps, pas le talent. Ouais, ça aussi. Surtout ça. Écoute, Eliane, vu oui. que je suis quelqu'un de gentil, je vais oui. faire quelque chose de gentil. Qu'est-ce que tu vas faire comme connerie? Je vais faire 150 éléphants, non, je dis. Je suis gentil sinon. Il est passé hier. Allemagne. Oui. Et Allemagne. Bah oui, ouais, forcément, c'est la nation la plus broken du jeu. Donc, ouais. Ouais, c'est le moment. Par contre, je comprends pas pourquoi il est allé Europe de l'Est. Il aurait pu aller Europe de l'Ouest comme toi. Avoir une meilleure Allemagne, parce que ça change les stats, bien sûr. Bien évidemment. Ouais. Ok, il sort deux Bertha et une putain de voiture blindée. Ils ont toujours pas nettoyé les Bertha, ok, c'est cool. Ça va être un sacré bordel. En fait, surtout, je sais pas si ça va être rentable que je fasse des troupes. Il sort aussi pas mal de soldats. Ouais, et surtout, ça c'est obligé. Hein. Oh ! Oh, mais là, on a le combo de la mort, là. Mais en fait, le seul problème, c'est qu'il va spammer plus de Bertha que nous, en fait. En 1v2. Oui. Donc c'est plus probable qu'il gagne. Oui. Après, t'as qu'un en prod plus que lui. Ouais, ok. Bah, avec les 10%, y'a moyen en vrai. Regarde, pour le moment, t'en spam bien plus que lui. T'en spam 5, il en spam 20. Tant qu'il prend pas l'avantage du checkpoint, je vais pas passer. Je vais pas vendre mon armée. Eliane, est-ce que oui. je fais la même chose que j'ai fait hier ou pas? Je sais plus ce que t'as fait hier. Ok,
presque fini, il faut juste toi pour finaliser. Mais il faut moi, qu'est-ce qu'il faut pour que je pour finaliser? Qu'est-ce qu'il y a? Pizza. Oui. C'est qui c'est l'Allemagne hier 1 qui gagne ou l'Allemagne hier 2 dans ce mode de jeu qui gagne? Hier 1. Non. Ça dépend de la map. Ok. Bon, en tout cas sur cette map on sait que c'est l'IR1 du coup. Sinon il serait passé IR2. C'est fou. J'avais pas le choix. J'avais pas le choix, j'avais pas les 10%, fallait que je passe. Comme ça. Il va gagner comme ça, effectivement. C'est Pizza qui est plus là. Comment tu sais qu'il va gagner comme ça? Parce que il va spammer plus de Bertha que nous, peu importe si. Mais spam que des Bertha, lui il spam d'autres choses, tu vois. Oui, non, mais je vais le faire aussi. Mais le problème, c'est que dans tous les cas, je pense qu'il en stackera plus que nous. Je pense. Ouais. Moi, ça c'est sûr, parce que lui il en sort 5 par 5, ça fait 10 toutes les 40 secondes, tu vois. Faut juste que tu en sors 10 par 10. Ben je les sors 10 par 10 déjà. Sauf que lui elles sont déjà stackées. Et qu'une fois que c'est stacké c'est trop tard. T'inquiète, les tiennes vont stacker tout et après tu vois. Il a un checkpoint, après il y aura un autre checkpoint. Faut juste pas qu'on lâche les 10%, c'est tout. Moi il me reste une maison à faire. Et dès que je passerai d'âge j'aurai 2000$. Après je sais pas si je passe IR2 et je fais des chars à roues. Non parce que les grosses Bertha vont les défoncer. Fais des trucs plus volatiles pour faire chier. En fait, faut que les Bertha, en gros, il faut que les Bertha focus des petites unités pour que les miennes puissent tirer sur les siennes. Pour le moment, je reste sur les éléphants ou pas? Ouais, parce qu'en vrai, il les one-shot pas les éléphants. Il les two-shot, je crois. Ou je fais les éléphants mitrailleurs. Éléphants mitrailleurs, ça peut être bien. Mais ouais. Attends, de toute façon, j'attends la vague et après on essaye. De toute façon, les éléphants de l'IR sont plus puissants que ceux de base, non? Oui, bah oui, forcément. Ouais, bon. J'attends que ça sorte et je vends et je refais la même. Et s'ils ont été logiques, ils devraient être moins chers aussi. Bah écoute, bravo, JSComicaton. Hein. Bravo si t'as réussi à faire tout le serveur tout seul. Je l'ai pas encore vu, je regarderai tout à l'heure. Hop. Tu veux savoir un truc marrant? Vas-y. C'est encore plus cher. C'est débile. Du coup. Mais c'est plus puissant. Ouais, mais sur le jeu de base, ils sont moins chers. Donc c'est débile. Après, c'est con que dans le jeu de base, une troupe plus puissante soit moins chère. Après, ah, ça dépend. Fais pas attention, hein, je spam pas. Ah, t'as trouvé les liens de mes chaînes, c'est bon? Oh non, ça recommence, Eliane. Quoi? Oh putain. Bah écoute. Hein. Ah, par contre, ça, attends, tu peux en faire plein en vrai. Hein. Ça va bien faire chier. Hein. Les éléphants bombardent? Oui, par exemple. Ça et les voitures blindées aussi. Ça va bien lui casser les couilles. Ouais, je sais. C'est pour ça que je suis à 13 éléphants bombardiers mortiers, 15 d'éléphants mitrailleuses et 7 voitures blindées. Je l'aime, la pizza. Pas assez par en dessous. J'ai une grosse Bertha qui est à l'envers. J'ai vu. Là où il y a mes éléphants. Ouais. Et en vrai, ils sont à deux doigts de toucher ces Bertha. Hein. Ça touche toujours juste à côté, c'est trop chiant. Fais des éthiques si tu peux. Un petit peu. Combien? Une bonne trentaine si tu peux. Je sais pourquoi je t'ai dit ça. Je suis à 5. En fait, la raison c'est que les grosses Bertha de pizza elles vont se stacker, enfin elles vont tirer sur les sicks plutôt que sur mes Bertha à moi. Bah, déjà là elles tirent sur les voitures et les oui, oui. Mais ouais. Bah après, si tu veux, je peux juste activer ma macro en spam le plus possible. Qu'on arrive à 500 ou à 2000.
ça te dérangerait pas. Des SIC. Non. Par contre, j'ai l'impression de reprendre un peu du. Pas du terrain, mais. Paul de la bête. Et en même temps, avec tout ce qui arrive de ma part là. Bah, t'as même de grosses bertas que je sors aussi. Il y a toute mon armée qui arrive quand elle sort de la base. Toi, tu vois, c'est genre quand tu as au shot et que t'es constipé depuis 12 semaines. Non, oh, putain, c'est vraiment la grosse top. Y'a pas plus crade que toi, quoi. Si. Je te jure que si, j'avais un ami à l'école. Et lui, c'est, je sais pas s'il est malade mental ou psychopathe, enfin bref. Il m'a envoyé une vidéo une fois où il a chopé sa merde, il l'a lancé sur le mur et il a commencé à crier maman, maman, il y a de la merde sur le mur. Super. Et il a laissé nettoyer. Super. Il a l'air intelligent. Et il était content. Oui. Et il s'est même créé une chaîne YouTube. Oui, ça s'appelle CBH. Partout. Non, non. Et il vlog en polonais, sauf qu'il fait de la merde. Il y a une vidéo où il dit comment on fait un bon steak, tu vois. Et ouais. Donc il prend un steak, il commence à le tabasser avec ses poings. D'accord, super. Sauf ce qui est coupé dans la vidéo parce qu'il a coupé une séquence, c'est qu'à un moment il a frappé et il y avait le couteau. Putain. S'il vient dès la main. Bah écoute, merci JCMK pour le save Discord. Si tu te faisais chier, bah écoute, moi ça m'arrange. On aura une issue tout à l'heure, je pense, pour par rapport à pas mal de trucs, du coup. T'as besoin combien de sick? Au moins une trentaine, même plus. Hein. C'est vraiment histoire de. En fait, il faut vraiment qu'il y ait des petits trucs qui passent à côté entre mes Bertas, quoi. Parce okay, que tes éléphants, en fait, ils vont galérer. Au pire, est-ce que tu veux que j'arrête de faire des éléphants et tout? Bah, t'en fais pas plus, quoi. Tu fais surtout des. Des sick, mais non. J'en ai 70, 70, je préfère. Bah continue, j'ai l'impression que ça l'emmerde. J'ai l'impression que ça meurt instant aussi. Parce que t'as vu la dose de Bertha qu'il a. En vrai, je pense qu'à un moment on sera vraiment bloqué sa race. Bah le truc c'est que là la game va être à l'infini. Tu Donc, spam combien de Bertha là? Là j'en ai 25 par 25. En vrai, en fait, la game sera pas à l'infini parce que si à un moment je passe IR2 et que je spam les mitrailleuses et les APC, tu vois, et que après j'utilise un boost de dégâts et que je l'augmente, à un moment mes mitrailleuses pourront one-shot une Bertha. Mais ce sera ah oui, à force. Oui. Bah t'as 10% de dégâts en plus quoi, à l'IR2. Mais bah, va falloir passer après IR2 quoi. Ouais. Bon là le problème après, c'est que la game est pas forcément... Attends, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Il en spam 13 par 13, j'en spam 27 par 27 et j'en ai toujours pas assez. T'imagines? Il en faut plus. Moi je spam 15, 15, 6, 100. Allez, maintenant que j'ai fait des 101 skins, je vais faire 101 rangers. Oh les Bertha c'est vraiment n'importe quoi. Au pire, viens, je fais 101 de toutes mes troupes. Ça t'abuse, vas-y. Après, bientôt, il n'y aura plus rien qui passera hein, dans ces trucs. Et là, même mes petites troupes, elles passent pas. Elles se collent à tes Bertha et elles se font éclater avant de passer. Ouais, mais le problème, c'est que lui, il a déjà un mur de Bertha, il avance avec le mur, du coup, bah, les miennes ont du mal. Faudrait recréer un mur. Mais le problème c'est que j'ai l'impression que ces Bertha visent d'abord mes Bertha et après elles visent tes trucs. Mais tes Bertha font l'inverse. Ouais c'est ça. Non, c'est trop chiant. Ça va, pas de soucis JCMK. Bah on ira après je pense. Je mettrai un peu en pause le stream 2 secondes histoire d'en discuter et après on verra. En gros, quand tu crées un CF, tu peux voir que tu peux avoir des LL et tout ça. C'est chiant parce qu'il faut rentrer des codes.
Ah oui, ah, ouais, vois. Je suis sûr, Pizza, là, il a laissé son jeu tourner, il est parti manger. Ouais, puis il a juste... il spam juste des Bertha, quoi. Non, 3, mais 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Bah c'est vrai, c'est qu'il en spam pas plus que ça, des Bertha, du coup. Pizza, un jour, il m'a raconté une histoire drôle. Enfin, drôle. Il m'a fait... Ouais, un jour, ma meuf, elle m'a dit, viens, tu regardes du porno et je te suce. C'est pas une histoire drôle. Non, mais en fait, le truc... Regarde, il était gêné et tout, tu vois. Qu'est-ce qu'il a fait? Putain, j'ai oublié. J'ai 32 Bertha qui sortent, il en a 13. Je m'étais foutu de sa gueule. Attends, je sais que je m'étais foutu de sa gueule, mais j'ai oublié. Pourquoi? Eliane, pourquoi j'ai une mémoire de merde? Parce que t'en es une. Merci, Eliane. C'est toujours un mamour. Ouais, je sais. Ça y est, on reprend le dessus au bout de 30 Bertha qui sortent à chaque fois. Au bout de 3 millions d'éléphants. Et de Sikh. Non, mais je pense que c'est juste grâce à l'armée que j'ai fait. Ouais, je suis sûr, les Rangers ils ont. Faudrait un truc qui ait une plus grande portée que la Bertha, ça existe? Non. À part le canon colossal, non. Ou alors les Katusha, mais y a pas dans. Enfin, les Katusha de ce jeu sont pour eux. C'est toi, j'ai failli partir Russie, hein. Et je me suis dit, il va partir Allemagne. Non, mais les Katusha de ce jeu, elles ont été réglées, elles fonctionnent bien maintenant. Ouais, c'est ça. Elle roule et elle suicide. Ouais, voilà. Ouais. En fait, faudrait envoyer un clip au développeur et faire. Les gars, ça fonctionne pas. Parce que j'ai l'impression que personne leur dise que leur jeu fonctionne. J'adore, regarde, tes Bertha se stack que en haut parce que mes trucs passent par en dessous. Ah, mais son mur de Bertha il a disparu. Bah oui, ça y est, mais mec, je produis 36 Bertha par 36 Bertha. Bah, je produis 101 Ranger et. Non, je produis 50 Rangers et 101 Stick. Après moi, la Bertha c'est 180. Bon, moi, c'est 22, 35, 100, 180. Et imagine-toi, on commence à avancer. Par contre, à un moment, je pense que tes Bertha vont vraiment bloquer tout le passage. Bah, il y en a tellement là, que. J'ai une question, est-ce que. Il en est où le jeu pour moi? Parce que là, moi, ça fait 3 minutes que ça crache là. Ah! Ah, bah, c'est. Tu recules sans avancer pour le moment. Tu recules de plus en plus, quoi. Parce que ça me saoule de... Bah je peux pas jouer en fait. Comment ça se fait? Ah. Bah regarde, mon écran il est comme ça depuis tout à l'heure. Attends. On voit. On fait un stream parce qu'on voit pas. Je peux pas, j'ai pas de bleu. Ouais c'est vrai. On voit... Bah du coup c'était un combat de Bertha depuis tout à l'heure. Mais on nous a dit qu'il nous envoie le truc et il a rien envoyé, on est d'accord? Pas encore. Ah, le retour. Et t'as relancé le jeu ou pas? Ah voilà. Du coup, il doit avoir 3 milliards de thunes sur lui. Pizza, tu t'es revenu avec combien d'argent? Bah là, attends, c'est en accéléré. Je suis à 2000. Ah. Putain. Il va nous sortir 30 Bertha d'un coup là. Je n'oserais pas. T'oserais pas, Pizza? Non, jamais. Ah. Attends, faut que je vois où je suis, là. Parce que je sens que je vais être très proche de mon temple, ce qui m'inquiète un peu. Non, ça va, on est... Bah, tu nous as repoussé pendant un temps en étant FK. Ouais. Ton temple, il a juste la moitié de sa vie, mais t'inquiète. Non, mais là, c'est un petit peu dégueulasse de gagner comme ça. Hein. Non, c'est pas non, vrai, c'est pas vrai. En fait, tu te fais attaquer par en bas, en haut. Non, par en bas, milieu, et j'espère que ça va bientôt passer par en haut. Bah oui, c'est le cas. Hein.
Putain, le bordel que c'est, les Bertins. Oula! Mais Mouse, je sais pas si ça va être ouf, hein. Je pense pas contre les Bertins. Parce que les Bertins, en fait. En fait, Pizza, tu veux savoir un truc? J'ai testé Inde contre Allemagne hier 2. Devine qui gagne? Bah non, l'Allemagne. En fait, avec l'Inde, t'as juste les Charaou et les APC qui tankent. Mais par contre, j'en sors beaucoup trop des Bertins. Oh. Ouais, le truc c'est que pour le moment son truc peut fonctionner. Bah, surtout que la raison pour laquelle ça peut être intéressant c'est que vu qu'il passe IR2, il aura l'amélioration. Des 10% de dégâts? Ouais. Ouais, mais le problème c'est que 10% de dégâts sur un tank qui fait pas de dégâts de base et qui arrive pas à toucher ton armée. Bah les Mouse font des dégâts, ils font les dégâts de la Bertha, c'est juste que bah il faut toucher quoi. Ouais. C'est ce que je dis. J'ai peut-être un peu abusé sur les Bertha, non? Je sais pas. Regarde là, le truc qui spawn à chaque fois. Ouais. T'as vu la boule? La couillasse. Ah. Maintenant elle est difforme. En plus elle pousse les Bertha, j'ai l'impression. Genre oui, non, Bertha, non, mais c'est pas qu'une impression. Hein. Par contre, c'est bon, j'ai des Bertha qui sont bloqués au spawn là encore. Oui, maintenant ça arrive de temps. Oh, la bonne boule de Bertha. Oh, 150 trucs. Bon. Moi j'ai 50 Bertha qui sortent. Moi j'ai 150 monsieur qui sortent. Puis j'ai encore 90 rangers. Je compte en faire 100. En vrai, tu pourrais faire comme lui, passer Allemagne IR2. Hein. Ouais, mais non. J'ai pas l'impression qu'on va... Si, si, ça avance. Hein. Ça avance, nous. Non, mais j'ai pas l'impression qu'on va perdre, justement. C'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que tu dis que je passerai IR2? Ouais, non, laisse tomber. En fait. Mais j'ai pas laissé de sous, en fait. Non, c'est pas grave. Le problème des Mouse, c'est qu'ils évitent là où il y a un mur. Bah en fait le problème c'est qu'il peut... en fait c'est qu'il a des motos mais ses motos résistent pas à 100 rangers et 150 monsieur et 400 mouse et 400 grosses Bertha derrière aussi. Ouais. Faut oublier que dès qu'il y a une moto qui spawn elle se prend 3 coups de Bertha dans la tronche plus les mitrailleurs plus les SIG plus les... Je vais faire quelque chose et on va perdre. T'as supprimé toute ton armée? Non. Je sortais juste, je voulais juste sortir 300 par 300, petit bonhomme qui court. Il était prêt. Non mais les Bertha dans ce mode de jeu c'est n'importe quoi. C'est même pas jouable hein, dans ce mode de jeu les Bertha. Hein. Bah en fait, ouais. Par contre, il n'y aurait pas eu mes troupes devant, tes Bertha elles auraient perdu sur le long. Non, c'est pour ça que je t'ai dit fais des cycles parce que c'est ça qui me permettait de bouger. Waouh, regarde la couille que ça fait dans sa base. C'est énorme. Ouais. Dis-toi qu'il reste tout ça d'armée, tu vois. C'est-à-dire, même si on avait arrêté la prod, il aurait jamais gagné. Du coup, je me demande s'il va revenir en faisant hey, « Eh les gars, on fait une revanche ?»« Eh les gars, bah non. » Attends, envoie-lui un message privé, tu veux une revanche, PD? Non, on va pas faire ça. Oh, va falloir que je discute avec JCMK en plus pour voir avec lui. Ça me fait rire. Je suis dans un groupe et mes potes ils se disputent pour rien. Ils disputent pourquoi? En gros, j'ai fait putain, ton cheat de merde pour les skins ça fonctionne pas. Puis il y a un autre mec qui fait MDR, la guerre des Mongols, les purs cheaters de la décennie, les pires. Bon. Après, tu vois, ils essaient de se clasher mais gentiment. Il fait le buveur de ligne, il va se calmer. Ta mère, j'ai bu. De la ligne une fois, au moins
Je sais lancer un cheat sans appeler un technicien Windows. C'est quoi ça? En gros, en fait, ils sont trop cons, ça me fait rire. Secours. Ça te fait marrer en plus. Putain, le pire, c'est que le mec, ça le fait marrer. Hein. Arrête, tu rigoles pour des blagues encore. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est faux. Chut, pas, je t'écoute pas. Alors attends. Quelle heure il est? 13h30. 13h40. Je vais me chercher un truc à manger, j'arrive. Attends. J'ai une question. Oui. DSL les refs, j'ai essayé de réduire avec une photo de Facebook Lite, t'as compris? Mm-hmm. La vanne ou pas? Attends, désolé, j'ai essayé de quoi? J'ai essayé de réduire et t'as une photo de Facebook Lite. Non, j'ai pas la vanne. Moi non plus, ça me perturbe. Attends. En fait, ils ont envoyé ça dans mon ancien groupe de classe et il y a tout le monde, ils sont fait trop drôle et tout. Bah, ça doit être un truc sur Insta encore, comme d'habitude. Bon, est-ce que tu veux faire une game de normal? Bien sûr. Mais va manger d'abord et comme ça, moi, je peux manger d'abord aussi. Moi, je vais pas manger, je vais récupérer un truc à manger. Ouais, c'est pareil. Sauf que moi, je le mange. Ah, mais je vais manger dans mon ordi, moi, comme d'hab. Oui, moi aussi. En fait, le problème, c'est que d'habitude, j'arrive en haut, il reste plus qu'un morceau, tu vois. Mmh. Donc, je rejoins ton code, je vais faire un truc et je reviens. Ça va. Bah, de toute façon, il faudra que tu joignes après le Discord qu'il a fait, Mister. De toute façon, je suis là dans 5 minutes, ok? Ça va. Mon dieu, tu m'habites ces trucs, j'étais même sur le serveur Discord, incroyable hein, quand même. Alors attends, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller sur le Discord. On va se mettre là. Voilà. Alors ça c'est moderne, sont les membres normaux du serveur, ils peuvent changer les pays. C'est quoi mec? Ouais. Ça va? Ouais, toi? Ah bah du coup j'avais plus rien à faire comme j'ai fait un Discord. Tu veux quelque chose d'incroyable? C'est que tu regardes sur mes rediffs de stream, j'ai tous mes streams où en gros vraiment c'est le même, même thème, c'est-à-dire paysan, pégu, tout ça. Ouais. C'est... Ah ouais, je vois. Mais moi, avec mes potes, on a toujours kiffé ça, genre de... On regardait les gens dans la rue, on disait, mais lui, regarde, il a une dégaine de gueux. Enfin, je sais pas, on était cons. Ouais, du coup, d'accord. Ça, non. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Hein. Ah, attends. Du coup, je t'explique. Là, le channel où on est, là, live, normalement, j'espère. Quand quelqu'un join, il peut pas parler. Comme ça, tu sais, quand t'es en live et que tu fais ton truc, il y a un connard qui peut join et qui peut gueuler dans ton micro. Et du coup, faut que tu lui donnes le rôle, c'est que le rôle teammate, voilà, le rôle teammate, c'est le seul rôle autre que modérateur qui est autorisé à parler dans live, mm-hmm. Sinon le reste, ils ont pas le droit de parler. Après, quand je regarde dans les rôles, les seniors, c'est juste des modos basiques, ils peuvent pas changer le nom du serveur ou rien, ils peuvent juste ban, kick, timeout, gérer les messages, gérer les vocaux, move des gens de la modération, de vocaux, quoi. Etc. Exactement. Et les ducs, c'est vraiment, c'est des admins, ils sont comme toi, ils peuvent tout faire. Mais donne pas ce rôle à n'importe qui, quoi. T'inquiète pas, j'ai déjà géré un serveur. À l'époque, j'en avais un quand je faisais les semi-pro Overwatch. Mm-hmm. Et t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Il va envoyer un message quand t'es en live sur Twitch ou qu'il y a une vidéo YouTube qui sort. Je la relance, en fait. On verra un message ici. Après, d'accord. Je vais pas dire quoi, c'est mode SA. Je ne sais pas, je comprends pas. Attends d'ailleurs, hop, voilà. Et sinon, équipe 1 et... Là, il y a. Vocal quoi, vas-y. Ouais, bon, ça va. Alors, attends.
Je vais rajouter des images. Changer si tu veux. De toute façon, je vais m'en. J'ai fini le stream que je fais. Et puis on va rigoler un peu encore un peu. Et puis après, sans doute, je suis avec toi parce que. Que tu m'as dit tout à l'heure. Bah ouais, si tu veux. Tu m'envoies le lien d'une VOD, je la download et je te fais un montage. C'est ce qu'on va faire. Hop, on va faire ça. Tac. Hop, je reviens.